Alors, on y va? Eh ben nous y sommes. Zelda Tears of the Kingdom, la suite de Zelda Breath of the Wild. Zelda Breath of the Wild, sorti en mars 2017, a été une révolution dans le milieu de l'open world mondial et aussi dans le milieu de la licence Zelda. À la suite de cette réussite monstrueuse, parce qu'on note plus de 35 millions de ventes au total pour Zelda Breath of the Wild, qui est de loin l'opus de cette licence le plus vendu de l'histoire, à la suite de tout cela est sorti en mai 2023 la suite de ce Zelda Breath of the Wild, j'ai nommé Zelda Tears of the Kingdom, messieurs dames. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette intro alors que je suis complètement dans le... Je suis déjà dans la game, quoi. Alors, je vais vous dire où est-ce qu'on en est, comme ça vous allez pouvoir suivre tranquillement, etc., etc. Déjà, sachez une chose. Hier, j'étais à une soirée avec des amis, notamment certains amis streamers, et je leur disais que... Ils me disaient, est-ce qu'on te revoit demain pour la soirée et tout, ce à quoi je répondais non, je joue à Zelda. Bon, ça, c'est une classique. Et j'avais des... Vous savez, je vous parle des fois des petites fourmis dans le ventre d'excitation. Tu sais, des fois, t'as ça. Moi, je sais que j'ai ça, par exemple, juste avant d'aller dans un resto qui a l'air bon. Je peux avoir ça juste avant d'aller faire des trucs que je kiffe et tout. Ben, j'avoue que j'avais... Ouais, un peu Noël. Exactement, la sensation Noël. Exactement, la sensation Noël. Et ben, genre... Là, j'ai un peu ça pour la journée. C'est-à-dire que je suis en mode... Là, je vais pulvériser le jeu. J'en ai rien à foutre. J'ai à manger. J'ai à boire. J'ai tout ce qu'il faut. Rien à battre, je vais pulvériser ce jeu. Et voilà, donc je suis très content. Moi j'ai ça juste avant de prendre un Taz. Mais vous arrêtez de parler de drogue? Mais je... Allô? Allô, oui. Oui, je suis bien la police de Montpellier, oui. Il y a beaucoup trop de drogués dans mon chat. Il faut faire quelque chose, c'est hyper dangereux. Ces gens sont des criminels. Et ils jouent aux jeux vidéo, donc ils sont d'autant plus violents. Oui, tout à fait, exactement. Oui, fan de jeux vidéo, exact. Oui, c'est des maboules de fou. Ok, merci. Va te faire foutre, Darmanin. J'ai raccroché à sa gueule. Merci, c'est un Falzar pour le 11e mois, merci beaucoup. Et j'ai accroché plein dans sa gueule. Po. Merci beaucoup, Univers Lucie, pour le 10e mois de Prime. Fichiers. Mais attends, mais tu sais, fichiers, tu rigoles, mais je pense que tous les gens qui ont été fichiers sous Macron, c'est limite un compliment. Hein. Non, c'est pas vrai. N'écoutez pas ce que je suis en train de vous dire, je vous raconte n'importe quoi. Bon allez, on part, messieurs, dames, sur la suite. Donc, qu'est-ce qui se passe ici même? Voici la map de Zelda Tears... Alors, non, je retire tout ce que je viens de dire, bien évidemment. Voici la... Enfin, sauf le Darmanin va te faire foutre, qui est, encore une fois, ça, beaucoup plus réel. Là, vous avez ici la map, donc, de Zelda Tears of the Kingdom, ok? Je l'ai découverte pas en entière, il me reste encore, regardez juste ici, une tour, et les Gerudo aussi, il me reste la tour ici pour avoir un petit peu tout. J'ai fait donc deux temples, j'ai fait combien de géoglyphes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai fait 6 géoglyphes, j'ai une soixantaine, un peu plus de sanctuaires, j'ai une centaine de noix Korogu, et voilà. Et l'objectif du précédent live était d'aller au village des Limits, où nous sommes finalement absolument pas arrivés, parce qu'on a fait d'autres choses, et d'ailleurs pas mal de choses en vrai. En vrai de vrai, le village des Limits qui est par là, quoi, enfin par... Ouais, je crois que c'est par là, bref. Voilà. On ira dans les souterrains, ok? On ira dans les souterrains à partir de 20h. Si ça vous va, on commence la nocturne. Alors, je dis nocturne entre... Et je remercie Lysium ici qui vient d'agrandir mes bourses avec ses 10 subgifts. Merci beaucoup Lysium, c'est adorable. Merci à toi. Merci pour ces 10 subgifts. Non, mais c'est par rapport à la référence. Non, mais c'est par rapport à la référence de Noya. C'est pas... Ok. J'ai 7, j'ai oublié... Ah oui, j'en ai 7, j'ai oublié celle-là, pardon. Effectivement, excusez-moi. J'en ai 7, effectivement. Et donc, on ira dans les souterrains vers 20h, peut-être 21h, enfin bref, dans ces eaux-là. Et à partir du moment où on ira dans les souterrains, le but, ce sera de ne pas sortir des souterrains. Dans les souterrains, j'ai beaucoup d'objectifs. Comme vous pouvez le voir, il y a des croix. Les croix, c'est des coffres que j'ai pu choper à divers endroits. Et donc, on va se donner des objectifs sur un peu sur les croix directement dans les souterrains. Souterrains que j'ai très peu fait, comme vous pouvez le voir ici, donc c'est pas mal. Mais en attendant... Ce que je vous propose, c'est continuer un petit peu à la surface de la Terre. Et ensuite, avant de partir dans les souterrains, on se préparera quelques trucs anti-miasme. Ok? Voilà! Voilà un petit peu pour l'explication de ce qui va se passer. Déjà, dans un premier temps, la dernière fois, je suis resté ici, mais j'avais des lueurs à utiliser.
Pas mal les vaches. Merci docteur Lulu. Merci beaucoup pour le 18e mois et le petit compliment. Je suis obligé de prendre un cœur, donc let's go. Est-ce qu'on peut avoir les croix si on a déjà récupéré les coffres en question? C'est une très bonne question. Je sais pas du tout. Non, on peut pas. Ah bah voilà. Mais du coup, t'as quoi? Ça veut dire que tu chopes le coffre et genre, il va te dire « Oh là là, tiens, on te met une croix et en fait, rien n'est mis, c'est ça ?» Ah, ça te dit que t'as déjà trouvé ce trésor. Ah, ok. Le coffre dit que t'as déjà récup. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bah, ça m'est encore jamais arrivé, vu que j'ai... Eh bon retour à vous, Maître Link. Cet abri de survie est à la disposition de tout un chacun. Et je vous en prie, prenez tout le temps qu'il vous faudra. Au revoir. Certes, il y a un trou dans le mur, mais n'ayez crainte, cet abri est solide comme la pierre. Pas de soucis. Ah, attendez. Hop, hop, juste. Je vais faire juste un petit tweet pour prévenir, parce que je sais que j'utilise très peu Twitter en ce moment, et des fois, il y a des gens qui me disent « Bah, en fait, moi, je te suis sur Twitter, j'ai pas Insta, et donc, des fois, je suis pas trop au courant de ce qui se passe. » Bon, après, je suis quand même assez explicite, mais... Oui ! Oui, je vais prendre ce dessin. Excellent. Je prends ça. Exceptionnel. Salut les fleurs, première participation dans ce chan avec le fanart Noya, Ponce et les coraux fleurs. J'adore. Noya ! Noya ! C'est une beauté, hein ? J'utilise. Après-midi, soirée, nuit, Zelda, Totk, avec Nocturne Souterrain. Long live sur Zelda Tears of the Kingdom. Oh. Insta de l'artiste. Hop. Hop, hop. Voilà. Très, très long. Boum. Ok, let's go. Est-ce que vous pensez continuer l'aventure Grounded avec Ultia et Reeve? Ouais, grave, on aimerait bien. C'est juste qu'on sait pas trop quand, tu sais, il y a les vacances, c'est l'été, c'est machin et tout, mais grave. Grave, grave, grave. Tu vas à Elimite, du coup, ouais. Du coup, direction Elimite, ok? Direction Elimite, en partant de là. Comme ça, je passe par ça. Donc là, l'objectif. Objectif, village d'Elimite, en passant par la tour de cette zone-là. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est TP au niveau de cette tour. Pour ensuite aller à la mano par là, ok? Je pense qu'on va faire... Oh, faut que je passe à la fontaine aussi, voir si elle peut pas augmenter certains trucs. Tiens, on va faire ça, vas-y, c'est parti. Let's go. J'avais oublié de me resub avec le Prime, donc voilà, c'est fait. Eh bien, merci Nat pour ces 3 ans de Prime. Beaucoup de gens oublient, c'est la base. Merci Chamello pour le 39 mois aussi. 2 semaines sans live, c'est dur, mais c'est bon, j'ai enfin le wifi dans mon nouvel appart, je suis trop heureuse. Bonne installation, Chamello. Et merci beaucoup Mello aussi pour le 6e mois de Prime. Jeune fleur de l'ombre qui sort de l'ombre pour ses 6 mois, et je te remercie Mello. Merci Kinpebo aussi pour le 11e mois de Prime. Et merci Sarah pour le 52e mois de Prime. Merci à vous. Merci beaucoup. Je suis trop content de ce live d'aujourd'hui. Je suis trop heureux. Ça me met trop trop bien. Ça me met trop trop bien. Alors, putain, il y a un puits. Ah, mais il y a une grotte que j'ai pas faite là non plus. Attends. La grotte. Oh. Ah, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi dans le ciel là. Attends, je vais aller dans la grotte. Je s'appelle Grotte. J'y suis allé dans ce puits ou pas? Un. Deux. Trois. Deux suffiront. Apparemment. Oh là là, les thunes par contre. Bon, l'éthique du jeu est toujours un peu douteuse. Hein. Pulvériser un million... Alors c'est pas vraiment un lapin, mais... C'est pas vraiment un lapin, parce que voilà... Jamais il arrive à Elimite. Oh, mais si, c'est obligé, t'as vu la longueur du live sur Zelda Tears of the Kingdom? All day long? J'arrive forcément à Elimite. Pourquoi je fais ça? J'arriverai jamais à Elimite. Le puits sud des peupliers. Ah, j'y suis déjà allé, ok. Pompon, tu l'as eu où le masque? J'en ai aucune idée. En fait, vu que j'ai une mémoire de merde,
Et que, en général, quand je découvre des choses, c'est de manière complètement aléatoire, tu sais, je retiens pas, je me dis pas, ah, ok, yes, enfin... Du coup, j'en ai aucune idée où est-ce que j'ai eu ce masque. Voilà. Dans le ciel ? Ah, mais si, ça, c'était la dernière fois, attends, mais si, bien sûr que si. Ça, si. Je l'ai eu en faisant une quête dans le ciel, effectivement. Voilà, j'en dis pas plus. C'était dimanche dernier. Oui, non, mais pardon, je croyais que j'étais comme ça. Je croyais que j'avais le masque de mineur. Mais en fait, j'avais le masque de chute libre, excusez-moi. Oui, tout à fait, ouais. Foutez de ma gueule, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Le chemin de la découverte culinaire est parsemé d'embûches. Voilà pourquoi je préfère voyager seul. Cependant, quand on est seul dans la nuit et que les ténèbres se font pressantes, un peu de lumière fait du bien. Or, il s'avère que les matériaux Lumos qui ont été découverts dernièrement ont la curieuse propriété de faire briller le corps. Le hasard m'a par ailleurs fait remarquer que l'intensité de la lumière émise varie en fonction du matériau dont on se sert. Lorsque j'ai utilisé un Troglodus Lumos à la place d'un Champi Lumos, la lumière était beaucoup plus vive. Mon hypothèse est que plus le matériau est difficile à obtenir, plus il a l'effet intense. Une autre solution serait peut-être de faire varier la quantité de matériaux. Derrière l'ignorance se cache le savoir. Il suffit de gratter un peu. Mais d'accord. À chaque fois, lui, il se la pète un peu. Il parle bien, hein, mais bon. Bref. Tranquille, quoi. C'est pas une compétition, hein. Mais tranquille. Merci, Jinxies. Merci pour le 13e mois. Bonjour Popo les fleurs, passez une très bonne journée sur Zelda. Il est évident que nous allons passer une très bonne journée sur ce GOTY. Sur ce GOTC. Ah merde, j'avais pas vu, j'ai fini l'histoire hier. C'était complètement fou, je regrette absolument rien. Jeu de fou furieux. Bon live à tous, régalez-vous. Bien shiny s'il te plaît. Il était pas shiny, Zirel, on est d'accord? Merci pour ton message, c'est adorable, mais je crois qu'il était pas shiny. Mais tranquille. Je sais ce qu'il y a ici. Oui. On l'a déjà vu, lui. Ah, mais si on part en bagarre maintenant, c'est clair que limite... C'est une tente, ça? Attends, c'est quoi, ça? Oh non, il y a trop de trucs, j'ai envie de tout faire. Oh non, c'est un cauchemar. C'est quoi ça? Ça me dit... T'as pas le niveau, Pompon, salut. Ok. On va voir. Merci Zirakmo pour le 27e mois. Merci beaucoup. Bisous. Attends, parce que en fait je fais ça, mais il est évident qu'il y a une noix Korogu là. Ah, oula. Oh putain. Oula. Attends. Il faut s'organiser. C'est quoi ça? Ah. Alors non, pas de l'eau. On va mettre une énorme bombe. Une énorme bombe dans leur gueule, là. Voilà, ça c'est fait. On va changer d'arme parce que... Du coup, bah voilà. On va prendre genre... Ouais, ça, tout à fait. Ouais, complètement. Quoi? Ah. Voilà, toi TG. Toi TG. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Attends, il faut que je prenne une arme une main. Ah mais il va m'envoyer de la merde. Vas-y, envoie-moi. Vas-y, tiens. Juste comme ça, vas-y, tiens. In your face. Bam. Oula. Oh. Ah non, l'objet n'existe plus. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis pas du tout à côté de toi, bro. Ok. Tranquille. Je comprends. Je comprends l'embrouille. Ah! Il s'est pris un arbre. Oh le con. Attends, mais j'étais full life. Il m'a one shot full life. Comment c'est possible ?
Mais sérieux? La patate qu'il m'a mis? Je suis full life, il m'a one shot. Pas full life? Ah bon? Mais si, je venais de prendre un truc. Je venais de me soigner. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Non mais déjà, je sais pas ce que je fais en tenue d'escalade face à un des mobs les plus durs du jeu. Déjà premièrement, ok. Enfin, quelle est la logique en fait? Quelle est la log... Le mec arrive en tenue d'escalade, quoi. C'est un argent. Ouais, mais tu vas voir. Allez, tu vas voir. Ça, déjà, ça dégage. Merde. Merde. Ça l'a pas tué. Lui, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Ça, c'est good. Ensuite, je vais là-bas, je fais ça. Quand on arrive sur la puce... Attends, ça peut double hit, double hit. Boom. Oui! Oh, magnifique! Attends, il me le refait, ok, ok. Boom, double hit, bro. Et là, bam, et là. Oh, mais attends, mais tu sais qu'à chaque coup, je sursaute comme si vraiment c'était dans ma grande gueule, hein. Il fait bader. En plus, il delay vachement les coups. Oh, excellent. Attention, parce que même en se relevant, il peut me tuer, le man. Ok. Il me fait trop peur. Il va me courir dessus? Non. Ah. Aïe. Ah merde. Badé, sérieux. Voilà, c'est bon. C'est win. Bon, j'ai utilisé absolument tous mes composants ever. J'ai plus rien. Mais c'est juste win, quoi. C'est juste super gagné, en fait. Oh la main. Oh la main, la victoire. Merci, Babybel. Ouais, Babybel, c'est le... Ouais, Babybel, c'est le sang, pour le coup. Même si c'est pas mon fromage préféré, tu vois. En vrai, ça reste le sang ici. C'est vrai. J'ai plus de place? Attends, mais... C'est le même, non? C'est une 12. Et là, c'est quoi? C'est 12. Ok, j'en ai jeté un pour prendre le même, donc c'est super. Nickel. Merci, Kearns. Merci beaucoup pour le 11e mois. Sinon, appelle Sicon. Ouais, mais le problème de Sicon, c'est qu'il faut que... En fight, il faut que j'arrive sur lui, que j'appuie. Enfin, c'est bizarre, quand même. Sicon, c'est bizarre. Ah oui, non. Du coup, à la base, je me disais, il y a sûrement une noix Korogu, là, non? Qu'est-ce que c'est, ça? Ok. Est-ce que je peux amalgamer un truc ou pas? Non. Ok. Là, c'est sûr et certain. C'est sûr, il y a une noix, non? Oui! Ah, mais je l'ai déjà prise, putain! Ah ouais? J'ai déjà pris ça? Ok. Il y a quelqu'un qui joue sur ma save, à mon avis, parce que je suis pas trop au courant de ça, mais bref. Oh! Ça on me la fait pas, ça, déjà, premièrement, voilà. Toi, tu viens là. Bam! Oh non! Mais... C'est un peu violent, quand même. Quand on sait l'état de la planète. Oh non, pas vous. Hein. Aïe. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Non. Tiens. Toi, TG. Ensuite, toi... Toi, c'est très simple ce qui va se passer. C'est très très simple. Ça arrive dans une, ça arrive dans deux, ça arrive maintenant. Hop là. Ça dégage. Il y va.
Attends, tiens, réflexe. Ah non, il a repris sa tête. Sérieux? C'est trop grave. Comment ça, t'as repris ta tête? Oh, y'a un coffre. Non. Bon. Non. Ah! Ta gueule. Ok. Cette lame antique en forme de dague peut désintégrer un ennemi. Trop petite pour être maniée comme une arme à part entière, elle est surtout utilisée comme en pointe de flèche. What? C'est quoi cet objet de fou? La lame? Et du coup, attends, ça veut dire que... Ah ouais? Attends, mais je vais prendre en photo ça. C'est une dinguerie, non? On peut pas, bien sûr. C'est pour faire une flèche archéologique. Mais du coup, je peux pas. Donc, ils disent vraiment, c'est que... Surtout utilisé pour une pointe de flèche. Mais ça veut dire que je peux l'utiliser aussi sur une arme. Non? Bon, après, j'ai pas d'arme dispo, mais... Plus 50? Et est-ce que c'est considéré... Non, c'est pas considéré comme un truc Sonao. Genre, ça peut pas faire x2. Parce que moi, j'aimerais bien faire une arme super forte en 300 d'attaque. Sur la Master Sword. Ah, je peux mettre sur la Master Sword, j'avoue. Ah, j'avoue. Tu one-shot le mob quand tu touches avec ça. Ah, je vais peut-être pas le faire maintenant, alors. Parce que du coup, si c'est pour aller one-shot le premier squelette que je crois, c'est un peu con, quoi. Ouais, c'est unique. Ouais, je vais pas use. Enfin fini, la salade, yes. Quoi? Merci MJ pour les 30 mois. Merci Lovely pour le 5 mois. Super contente que mon jour de repos coïncide avec ce fameux live Zelda Nocturne. Je souhaite à toutes les fleurs de passer un très bon moment. Merci Ponce pour les lives qui apaisent mon anxiété et mes angoisses. Bisous, merci pour le soutien. C'est adorable. Merci Shirobim aussi pour le 32e mois de Prime. Il y a un Korogu là-bas, je vais aller chercher ça. Merci Jasmin Fleur. Let's go, je suis enfin né. C'est un beau bébé de 1m98. Mais what? 1m98? Ah oui, c'est vraiment un beau bébé. Oh! Merci infiniment, Sonid, qui offre 20 abonnements. Merci. Et GG Jasmin pour ton CAP boulanger, du coup. Et merci pour le resub. Merci Farken aussi pour le 21e mois de Prime. Merci Apostrophe pour le 31e mois aussi. Merci à vous, merci beaucoup, merci encore une fois Sonid. Bisous. On est en train de te foutre ma gueule là. Tu peux le faire. Non mais tranquille, j'ai une stratégie à l'américaine. Voilà. Cet aim de folie. Mais c'est pas une histoire d'aim. Je pense que vous confondez. En vrai. Tranquille. Je pense que c'est pas... Oh! Non mais... So much chose to faire quoi. Oh! Mais c'est horrible. Il y a trop de trucs. J'en peux plus. Je crois que je vais partir sur une Uncharted 4 pour m'emmerder. Parce que là il y a trop de trucs à faire. Ouh, allez. Tranquille, je vais là-bas. Non, tranquille. Merci Almaito pour le 7e mois. J'ai découvert Twitch sur le tard grâce à toi. Ton contenu Nintendo est vraiment cool. Est-ce que tu comptes faire Advance Wars? Ouais. Bientôt, je sais pas, mais oui, bien sûr. Moi, j'avais adoré Advance Wars sur GBA à la grande époque. J'ai le jeu, regardez, juste là. Là. Donc oui, bien sûr, je le ferai en live, évidemment. J'ai très hâte d'ailleurs, et je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas fait. Manque de temps, en vrai. Je rigole à Uncharted.
pardon. Je suis un bâtard parce qu'en vrai, c'est plutôt des bons jeux, quoi. C'est juste que moi, j'aime pas, donc je suis un peu un bâtard. Pas très gentil de ma part. Mais bref. Putain, on a vraiment un truc là. Attends, je peux le prendre en photo? Ah, je l'ai déjà pris, putain. Merci Kidines pour le 22e mois de Prime, merci beaucoup. C'est quoi cet arc énorme là? Ça va, c'est un classique celui-là. C'est l'arc de Golem? C'est l'arc de... Attends, mais il est parti le bâtard! Oh non, il fait jour! C'est pas vrai? Oh non! Attends, il est là-haut? Oh non, non. Oh non, sérieux, j'ai fait tout le détour pour toi, bro. The fuck, dude. Oui, ça c'est Firon, non? Oui. Ah là 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 là. Les sensas, les sensas. Là, on va croiser de la créature, là. Putain, on en a des trucs à faire. Hein. Ah. So long à limite. Non non non, on va aller à limite. T'inquiète. Pourquoi il y a une montgolfière là? Ah, c'est au cas où pour aller là si jamais je sais pas. Du coup j'avais vu un sanctuaire là-bas, non? Ouais, ouais, non mais il est super loin. Là je fais aucun effort quand même. Oui, non, c'est pas le... Non, on est d'accord, c'est pas l'objectif non plus, quoi. Ah, mais en fait, il faut que j'aille au village des limites. Je vais enfin... Enfin, je sais pas si c'est là, mais j'imagine que je vais enfin avoir le détecteur à sanctuaire au village des limites. Et c'est ça qu'il me faut, en fait. C'est ça qui me manque. Putain. Rocher dans trou. Link dans trou. Merci Pogo. Merci beaucoup pour le prime, bienvenue. Oh. Une petite aigrette à aile bleue là. Elle est pas magnifique? Il y avait un autre truc que j'avais pas pris en photo, attends. Ah putain, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il doit y avoir un système là. J'ai jamais fait de noix comme ça. Ah sérieux? Pose le rocher sur l'arbre à trois branches. Alors, du coup, c'est ce que je viens de faire, mais surtout, ne pas faire ce genre de choses. Heureusement que je venais de le faire et je me retourne, je vois ce message. Mais du coup, non, il faut pas me dire quoi faire, parce que sinon, bah en fait, c'est pas très drôle. C'est pas marrant, quoi. Heureusement, je venais de le faire, quoi. Voilà. Hop, t'en avais déjà fait une. Une comme ça? Ah ouais? Je suis pas sûr, hein. Je suis vraiment pas sûr, hein. C'était exactement ça? Je me rappelle pas avoir mis un caillou sur un... Non, ça me dit rien du tout, hein. Je crois vraiment pas. Je sais pas. Merci Vascarion pour le 40e mois de Prime. Merci à toi. Compliqué pour Synta de se retenir de dire la réponse en Big 2023 depuis le temps qu'on dit pas BS. Ouais, alors après, pour la grande défense... Alors attention, je ne défends pas les backseaters, merci de ne pas backseater, etc, etc, bien sûr. Cela dit, récemment, j'ai discuté avec une pote qui me disait qu'elle avait découvert Twitch super tard et qu'elle s'était fait bannir de plein de chats sans trop capter. Je suis nul ou quoi?
let's go. En fait, elle s'est fait bannir de plein de chats. Et elle me disait, mais moi je sais pas, je croyais que c'est... En fait, vu que c'est vachement participatif et tout, bah j'avoue, j'écrivais des messages en disant, oh à gauche, il y a ça et tout, et je m'en rendais pas compte du tout. Et j'ai capté petit à petit en regardant d'autres streams qu'en fait, je m'étais fait ban pour cause de backseat. Elle m'a fait trop de la peine. En gros, elle était ban de plusieurs chats de streamers qu'elle aimait bien, sans comprendre pourquoi. Genre, elle croyait limite que c'était une balle perdue et tout. Et en fait, elle a capté après coup que c'était le backseat, parce qu'au bout d'un moment, quelqu'un s'est mis à expliquer ça. Sauf qu'en fait, si tu l'expliques jamais, toi, t'es en mode, mais pourquoi j'ai été banni? J'ai juste parlé dans le chat, j'ai rien dit. Et franchement, il y a plein de gens, ils découvrent Twitch. Alors, il y a moins de gens qui découvrent Twitch aujourd'hui qu'il y a 2, 3, 4 ans, tu vois, forcément. Mais en vrai, ça arrive. Et donc, faut pas non plus détester les backseaters au plus haut point, parce que concrètement, t'as quand même pas mal de gens qui ont pas forcément les refs. Ah! Je suis mort. C'est bon. Voilà. Et donc, Ah! Ça va pas de mourir comme ça, putain, ça met dans la merde. Et donc voilà, ça veut pas dire que j'excuse le backseat, très loin de là. Mais je comprends que ça existe, tu vois. Elle a pris des permas, ouais. Elle a pris des permas, elle comprenait pas trop. Voilà. Ouais, elle a pris des permas, ouais. Bah typiquement, c'était quoi elle me disait? Attends, c'était qui? Je crois qu'elle me disait mais qu'elle adorait Shisheyu et qu'elle s'était fait perma là-bas une fois. Mais elle avait fait une demande de unban après avoir compris. Ouais, vraiment. Il y a souvent quand même un pop-up indiquant les règles à suivre. Oui, mais franchement, ça, je trouve que ça reste touchy. T'imagines, tu connais pas du tout la plateforme, tu connais rien du tout, tu regardes juste des gens jouer à un jeu que tu kiffes. Un truc participatif avec un chat qui parle. Bah, il y a forcément des gens qui vont dire « Ah ouais, putain, là, je m'en rappelle, quand j'y étais allé, je m'attendais pas à ce que... » Et en fait, tu spoil, quoi. Mais voilà, quoi. Il y a backseat et backseat, ceci dit. Il y a arriver dans un chat sans dire bonjour, juste leak des infos. Ouais, mais... Ah, franchement, je trouve qu'on est vachement... Là, on parle comme des gens qui connaissent Twitch, ça paraît évident. Franchement, moi, ça me paraît obvious de fou furieux de pas backseat. Genre, ça me paraît obvious, tu vois, de la fermer et de laisser le streamer ou la streameuse découvrir à sa manière et tout, ça paraît obvious, mais en fait, ça l'est pas tant que ça, en vrai. Ça l'est pas tant que ça, franchement. Ok. Attendons que ça passe. Oh, un voyageur avec qui j'y conversais, mais quel heureux hasard. Vois-tu, je suis moi-même voyageur. Je me repose là, mais le reste du temps, je peins. Je parcours le monde en quête des plus beaux paysages. Mon cœur s'émeut tout particulièrement à la vue de ces îles volantes qui sont apparues récemment dans notre ciel. Dans ma vie, j'en ai peint des paysages, mais peu m'ont autant intrigué que cette petite île qui vole au loin. Qui donc a bien pu la faire flotter? En tout cas, je trouve sa forme captivante. Et elle en est d'autant plus facile à peindre. Tu devrais aller observer quand le ciel sera dégagé. Ah ouais, parce que là, on voit rien du tout, quoi. Ah, cette île? Est-ce qu'il parle de cette île? Ah! Ah! Monsieur! Ah, mais du coup, je peux pas y aller. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, j'avoue que c'est intriguant. Alors, j'ai pas un moyen d'y aller simple. Chambre de l'éveil. Attends, du coup, j'ai envie de tester ça quand même. Je pense que je peux pas y aller de là, non? Ça se saurait. Peut-être de la tour? Vas-y, je vais tenter un truc de la tour. Je vais aller par là avec la tour, ok? Je tente un truc. De la tour. Quoi qu'il arrive, ça me ramène là où j'étais, donc tranquille, je vais tenter ça. Après, faut connaître la définition de backseat pour connaître l'environnement Twitch, je pense, même avec un pop-up. Mais grave, si tu dis interdit de backseat, je te jure, si tu connais pas, tu connais pas. Hein. Mais, encore une fois, j'excuse pas, mais juste j'essaye de comprendre aussi et j'essaye d'être un peu patient vis-à-vis de ça. Moi, je préfère quand même éduquer les gens au backseat et ne pas trop fliquer violemment, plutôt que être ultra, ultra vénère sur la sanction là-dessus, tu vois. Parce qu'il y a vraiment des gens, ils vont se faire ban sans comprendre, parfois. Ça peut arriver. Ça peut vraiment arriver. Non, ni, ni.
Ah, c'est ça? Non, 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 ok. C'est exactement ça. Je trouve que le pas d'indication merci en dessous de chez Ultia, c'est plus clair que pas de backseat. Ouais, j'avoue. T'as raison, hein. En vrai, t'as raison. C'est vrai. Bah, le pas de backseat, en fait, il aide les gens qui savent ce que c'est le backseat, mais... Je suis d'accord, mais ça doit venir des deux côtés aussi. Je connaissais pas le terme, c'était dans les règles, je me suis renseigné et voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Attends, mais elle est où, Lille? Mais qu'est-ce que je fous? Ah, elle est là-bas. Allô? Mais je vais être trop bas, mais je fais n'importe quoi, putain! Elle est là-bas! C'est bon. J'y suis, messieurs, dames. Oh! It's like Sanctuary, bro. Wow. Bon, je viens de te découvrir il y a une semaine et tes streams, c'est vraiment une dinguerie. Putain, c'est trop gentil. What the fuck? Merci. Bienvenue. Les aigrettes. Attends. Juste un petit instant parce que les aigrettes roses. Ça existe pas, les aigrettes roses, si? Parce qu'il y a les flamants roses, mais c'est pas du tout... Les aigrettes neigeuses vivent dans les cours d'eau d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Ce couple de Floride a trois oisillons. Ils sont élevés ensemble. À tour de rôle, les aigrettes fouillent le marais peu profond à la recherche de petits poissons et crustacés, puis les ramènent au nid. Mais il y a une chose qui ne semble pas les préoccuper. Le sanctuaire qui est à côté? Ce que fait leur progéniture lorsqu'ils s'absentent. Ah. Il y a un sanctuaire juste à côté, hein. Les deux aînés deviennent plus forts et plus agressifs. Pendant que le plus jeune, lui, s'affaiblit. Au début, il ne faisait que le bousculer. Mais aujourd'hui, il frappe leur jeune frère à coups de bec. Quoi? Mais c'est horrible! J'ai même pas pris ma photo, en plus ils sont envolés! Oh, la violence est allée si vite! Mais je crois que ça existe pas du coup, les aigrettes roses, en fait, je pense. C'est allé un peu vite, c'est allé un peu vite, je suis désolé. Je les ai pas pris en photo, quoi. Merde! Oh. J'ai regardé, ça existe. Les roses, parce que les aigrettes, bien sûr, mais les roses... Oh, les bâtards! Ah ouais, bien vu. Oh, bien vu, bien vu, bien vu. Va faire offrande du cristal à l'endroit qu'indique la lumière. Alors tu recevras... J'ai pas eu le temps de lire, ça a disparu mal. Le sanctuaire du lac... Oh bah. Je crois que j'ai compris, non? Attends. Ah bah oui, hein. Attends. Il faut mettre dans le trou, c'est ça? Putain, mais on voit rien, c'est le principe, mais... Ouais, c'est ça, c'est dans le trou. C'est pas ouf, hein. Si, c'est dans le trou. Oula. Merde. Merde, c'est quelque peu angoisse. Je sais pas ce qui se passe là. Oh, comment je suis chaud? Comment je suis giga chaud? Hop. Pouf.
Voilà. Voilà. Ni vu ni connu. Enfin, si, un peu, parce que je suis en live, mais... Toi qui représentes ce cristal en offrande, reçois la lueur qui chasse le mal. Ramène. Ramène un ramen traditionnel, hein, tout ce qu'il y a de plus... tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Très, très classique. Oui, maître Ponce. Merci AIB pour le 28e mois de Prime. Merci aussi à Jean-Claude 22RPZ pour le 8e mois de Prime, j'avais pas vu. Merci beaucoup, JC. Ah mais non, en plus, c'est pas Jean-Claude, c'est Jean Calude. Merci Jean Calude 22. Le sanctuaire du lac Ilia. Pourvu que j'ai une épreuve, pourvu que j'ai une épreuve, pourvu que j'ai une épreuve, pourvu. Vive le Cap Suzin. 6-1, pardon. Mais attends, mais tu t'es pas déjà resub récemment, Fraze? Ou t'as dit la même chose? C'est un complot breton, là. C'est un complot des capistes? Merci, en tout cas. Oh là là, l'épée de sonium surpuissante que j'ai... Que je vais laisser là, hein. Qu'est-ce que cette merde? Qui a fait la matraque au sonium, là? Attends, mais qui a fait cette merde? Une matraque au sonium? J'appelle les flics de suite. Je vais appeler les flics de suite. Bah, déjà, je vais équiper ça. Et je vais mettre... Oh oui. 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 Oh, 45, wow. Boum, boum. Boum. Merci Zipex pour le subgift. Merci Zenithia aussi. Entends-nous, Dieu Ponce. Toi qui as trouvé ce cristal, tu es digne de mon secret, le voici. Il se trouve que... Je le dirai à personne. Merci Rakim aussi pour le 10e mois de Prime. Merci beaucoup. Merci Redsan pour le 3e mois de Prime. J'en parlerai à personne. Qu'est-ce que je fais de cette merde là? On est d'accord, je la laisse ici non, cette matraque au sonium? Attends, mais comment fonctionne une matraque au sonium? Dans le vide intersidéral. Disparition totale. Bah, j'allais m'en débarrasser quoi qu'il arrive. Merci Tsaïtsei. Merci pour ton 10e mois Tsaïtsei. Tu peux les désamalguer, Game. Oui, on peut désamalguer, Game. Ok, tout à fait. On peut désamalguer. Mais le problème de quand tu désamalguer, c'est que tu perds en fait l'élément avec lequel t'as fait le même de base. Donc le désamalguer, c'est pas... C'est frustrant. Parce que tu perds clairement des composants. Potentiellement des bons composants. Mais c'est quand même... C'est quand même... Nickel, t'as autant galéré à le dire que ce que j'ai galéré à l'écrire. Coucou les fleurs. Ah. Je vous aime et vive le Cap Suzin. Ah mais attends, mais c'est une propagande vénère. Merci beaucoup Frey, c'est adorable. Mais bien sûr, capiste, on est pas du tout ensemble pour le coup, mais... Capiste. Savoir que le Cap Suzin, c'est une micro-région de l'Ouest Finistère, qui est pas très loin de... Attends, c'est Capiste contre eux. Capiste contre... Merde. Je sais plus quoi. Mais genre, vraiment, ça me fume, ça se joue à un pâté de maison. Une rivalité géographique à un pâté de maison près, c'est délirant. C'est Bigoudin, ouais, c'est ça. Il y a le pays Bigoudin juste à côté des Capistes. Et genre, à un pâté de maison près, ils ont pas la même culture, les mannes. C'est vraiment... C'est effrayant, hein. Merde. Bon, encore un peu de méthamphétamine. J'ai 24 Taz. En vrai, faudrait pas appeler les flics là. Merci Oscaros pour le 3e mois de Prime. Salut Pont, hype pour Oppenheimer. Oui, de fou. Ici, les
les places sont IMAX, sont prises en fait, ouais. Complètement les... Ouais, les petites places à 35 euros, ouais. Ouais, complètement. Ouais, de fou. Bah là, en ce moment, tu vois, ça fait plaisir parce que... Des fois, j'ai envie d'aller au ciné, puis il y a rien. Et là, je suis allé voir Élémentaire il y a pas longtemps. Là, je vais aller voir Oppenheimer normalement vendredi, je crois. Et j'ai envie d'aller voir Barbie aussi. C'est cool, en vrai, d'avoir des trucs là. Ça fait plaisir. Je veux bien 2/3 et 1/3 plus tard, peut-être. L'outil. Bon, ça va, le bro. Barbie. Bah non, moi, je suis trop curieux de voir le film Barbie. Vraiment très curieux de le voir. Après, voilà, si c'est une daube, on en parlera librement, hein, bien sûr. Mais je suis trop curieux de voir le film Barbie, moi. C'était bien Élémentaire. Écoute, Élémentaire, j'avoue que je m'attendais à un film en mode ah, l'amour entre le feu et l'eau, ça me l'impossible et incompatible parce que le feu est tel l'eau ou que l'eau peut faire bouillir que le feu peut faire bouillir l'eau. Oh là là, c'est possible qu'on va même se tenir la main si jamais ce n'est pas possible. Tiens, je pensais que ça allait être ça. Et en fait, pas du tout. C'est bien au-delà de ça. Et j'ai kiffé. Et j'ai vraiment kiffé. J'en dis pas plus, mais ça traite, on va dire, de l'héritage familial, de la famille, des discriminations ethniques. Ça parle de beaucoup de choses, hein, franchement. Le feu est un lot. En vrai, on en sens un peu, hein. Oui. Ah oui, hein. Je suis désolé, le feu fait bouillir l'eau, hein. Bien sûr. La VF t'a pas trop dérangé. J'ai pas été très fan de la VF, notamment de la comédienne principale. J'ai pas été si fan. Et en même temps, il y avait des moments où je me disais « Ah si, c'est cool !» Donc, franchement, ouais, ça me va. C'est un peu claqué quand même. Élémentaire, t'as trouvé ça claqué? Ah ouais? Moi, j'ai pas trouvé ça claqué quand même. Non, vraiment pas. Moi, j'ai vraiment pas trouvé ça claqué, tu vois. La première demi-heure, je me suis dit ça va être claqué. Alors qu'au final, j'ai vraiment kiffé. Qu'est-ce que c'est cette flèche là? Ici, hein. Qu'est-ce que c'est ce truc de fou, oh? C'est quoi ce truc de fou, oh? Pas compris. Pourquoi il y a une autre flèche? Oh, c'est quoi ce truc de fou, oh? C'est encore un complot breton, ça? Merci Léoki pour le 8e mois de Prime. Et Mawari pour le 15e mois d'abonnement. 15 mois comme le temps de gestation de la girafe. Moi, matrixé par le maître des fleurs? Non. Alors, j'en ai déjà vu des flèches comme ça depuis le début de mon let's play, mais... J'en ai jamais rien foutu, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais je suis trop con. Zenitia qui offre 5 abonnements en même temps que le Korogu, je sais plus ce qui se passe exactement. Je sais plus si c'est dans le jeu, pas dans le jeu. Merci beaucoup Zenitia, c'est très gentil. Mais par contre, attends, il y était tout à l'heure quand je suis passé, je l'ai juste pas vu. Ça c'est possible, hein, je suis pas très attentif. De toute façon, je joue pas à ce jeu pour être attentif. Hein. Je suis là, je discute, je cheat, je regarde le chat. Ouais, c'était... Ok, d'accord. Ok. C'est pas grave. Hein. Merci beaucoup HB2P. Merci pour le 14e mois. Oui, non, moi, je suis pas du tout attentif, hein. Je suis autant en live que ce que je joue au jeu, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire, bien sûr. Bon, on se le fait, là? On se le fait ou pas? Oh non, il est encore là. Non, il va mettre un vent. C'est sûr et certain. Il faut que je prenne rendez-vous. Attends. Ah. Casse-toi. Oh non, mais qu'est-ce qu'il fout? Bon, lui, il a pas besoin de la nuit. Attends, je vais aller voir là-bas.
s'est rapproché des limites ou pas? Bah regarde, en fait, on est parti d'ici, là, et limite est par là, et je suis là. Donc non. Voilà. Pas très grave, non? En vrai. Techniquement, un peu. Ouais, en vrai un peu. En vrai un peu, je suis d'accord. En vrai un peu. C'est vrai. Ah. T'es à l'opposé, mais tranquille. Ah. Ah. Oh non. Oh non. Oh. Attendez. Le mec est naze. Mais qu'est-ce que tu fais? Full paniquing de fou. Le mec est désastreux. Ah putain. Oh putain, il y a trop de... Venez, on s'en fout, non? Je sais pas. J'hésite à y aller. Objectif de la session, commencer à envisager éventuellement à peut-être, pourquoi pas, commencer le chemin vers les limites. Non, ce... Un peu. Non! Non, si, il faut absolument. Parce qu'en fait, j'ai envie de changer mon skin de paravoile, et ça, j'ai bien compris que c'était à la limite. Et avant d'aller dans les souterrains, je veux changer mon skin de paravoile pour mettre, genre, si jamais j'ai un skin de paravoile avec de la lumière. Voilà. Ce jeu, t'as le malheur de tourner la caméra de 3 pixels, t'as 10 choses à faire. Ouais, mais c'est autant un point fort qu'un point faible, selon moi, hein. En vrai de vrai. Parce que ça peut décourager de jouer à un jeu où finalement, absolument tout ce que tu vois sur ton écran, c'est un truc à faire. Je trouve que c'est un... Ça peut vraiment, vraiment saouler des gens. Ça peut vraiment saouler des gens. Et en même temps, il y a plein de gens qui ont trouvé que Breath of the Wild était vide. Alors là, on peut vraiment pas dire que c'est vide, quoi, pour le coup. Donc moi, je suis entre les deux. En fait, moi, j'adore. Mais vu que je le fais en live, j'ai toujours peur que des gens se disent « Oh là là, le man avance pas du tout. » Ce qui est vrai... Mais en même temps, je kiffe, tu vois. Pourtant, certains disent... Non, mais les gens qui disent que Tears of the Kingdom est vide, il faut prendre rendez-vous chez l'ophtalmo, chez l'ORL, il faut faire un check-up complet, et à mon avis, il y a pas mal de tard, tu vois. Je pense. Je pense, vraiment. Parce que c'est... Là, il y a quand même... Neurologue aussi. Oui, neurologue, pourquoi pas. Puis faire... Oh, man. Tu vas louper Kilton. Non, non, je pense que j'ai le temps, non? Je sais pas. Je sais pas. Salut à tous, salut Pompon. Pour ma part, c'est le cas. Full perdu dans un Skyrim ou dans les mondes trop ouverts, car justement, trop de possibilités. Ouais, c'est ça. Moi, par contre, en vrai, je comprends. Hein. Honnêtement, je comprends mille fois les gens qui stoppent parce qu'ils se perdent, parce qu'il y a trop de trucs à faire, etc., etc. Par contre, je comprends pas du tout les gens qui disent que c'est vide. Ça, vraiment, c'est incompréhensible. Et genre, c'est même irrecevable, en fait. C'est irrecevable. C'est irrecevable. Je n'accepterai... Pas ça. Oh non. Ah, je l'ai vu, hein, je l'ai vu. Vous en faites pas, je l'ai vu. Il me saoule à chaque fois. En plus, ah, ils mettent une pression mentale de fou, genre. Je te jure, ils me stressent. Tranquille. Okay. Adieu, Kilton. Non, attendez, j'ai encore 2 minutes pour aller à Kilton. Je l'ai, non? Oh putain.
Mais quoi, il va m'envoyer un bocoblin dans la gueule, celui-ci. Ok. Boum, c'est maintenant. Kilton, j'arrive, mon gars. C'est quoi le rapport? Une minute IRL pour une heure dans le jeu? Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Donc tu peux compter quoi? Genre là, le jour se lève dans 2 minutes, littéralement. Oui. Bonjour voyageur, la nuit est agréable, n'est-ce pas? Oh, j'ai oublié de tenir quelque chose d'important. Pour devenir un château riche, je vais devoir manger de grandes quantités de cristaux. Alors si tu souhaites m'en apporter, apporte-j'en plein d'un coup. Tu seras récompensé à la hauteur des quantités que tu m'apportes. Et tu vas pas le regretter. Je suis prêt à t'échanger des trésors contre tes cristaux. Go. Alors je te propose un masque de moblin contre 2 cristaux. Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi t'expliquer ce qu'est un masque de moblin. Mon frère Kilton m'a donné ce magnifique masque. Comme tu peux le voir, il est de si bonne facture qu'un moblin s'y tromperait. Le réalisme est frappant. T'as envie de l'acheter, hein? Alors, vas-y, achète-le. Mais c'est 2 balles, 2 cristaux. Je vais réfléchir, attends. D'accord. Attends, mais je vais réfléchir parce que je crois que je l'ai, non? Ah non, c'est un masque de bocoblin que j'ai, pardon. Bah, je la jette. Je suis prêt à échanger mes trésors. Dans ce cas, je te propose un masque de moblin, comme je te le disais tout à l'heure. C'est d'accord. Vas-y, go. Super. Un petit instant. Il graille la mette. Ah, c'est trop de la pompe. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah, il m'en fout. Ah, pardon. Bon, tiens. Let's go. Oh, la gueule. Ce masque confectionné par Kilton arbore un long nez et la langue pendante des moblins. Si vous le portez, ces derniers vous prendront très certainement pour un des leurs. Ok. Oui. Après avoir mangé le premier cristal, je me suis rendu compte que je pouvais sentir la présence des Élusis. Pas tous, hein. Mais tiens, tu peux te dire où tu trouves des Élusis? Si tu en restes d'autres, je veux des choses. Oui, bien sûr. Alors tiens, 3 matériaux de monte contre 2 cristaux. Ah ouais, mais putain, mais ça veut dire que j'ai pas le choix. Ok. Mais du coup, c'est tout. Parce que c'est pas ouf, non, quand même. 2 cristaux d'Élusis contre 3 matériaux de monstre. Comment ça, c'est tout? Alors, mon jeune ami, je vais vous... Monsieur Pujatas, je vais vous dire quelque chose. Ces matériaux de monstre possèdent bien des propriétés. Ils peuvent servir à bien plus qu'à faire des remèdes. Ce sont des ongles d'inox, un redoutable géant, un œil qui... Putain de merde! Des trucs de fou! Est-ce que tu crois que c'est de la merde? Parce que je vais vous dire quelque chose de réel. C'est que ce que je suis en train de vous vendre ici, c'est de la pure qualité, mon gars. Si t'as la flemme d'acheter cette qualité, eh ben, casse-toi d'ici et je me débrouillerai autrement! Alors? Bon, d'accord. Bah voilà! Voilà! Qu'est-ce qu'il va me donner? Ah, je suis en plein de montée, mon gars. Je suis en plein de montée, mon gars. Monte un peu le son. Non, il m'en faut encore un max. Bon, tiens. 3 ongles d'inox. Putain, mais ça vaut pas le coup pour 2 cristaux. Encore? Vas-y. Oh oui, je te propose une tunique des esprits contre 3 cristaux. Oui. De suite. Nice. Attends. Ah putain, mais c'est de la bombe de fou furieux! Je le sens instantanément dans mes neurones, putain! Tiens. Dégâts subis en rubis? Hors de question que je porte ça une seule seconde. Habit obtenu contre des cristaux d'Élusis, fruit de maintes prières aux esprits. Elle protège la vie de son porteur qui perd des rubis plutôt que des cœurs, mais jamais de la vie. Jamais je mettrais ça, en fait. Bon, par contre, ça a l'air très joli, mais... Ça a l'air très joli.
Putain, encore ? Vas-y. Je te propose 8 matériaux de manche pour 3 cris. Vas-y. Oh man, je suis en train de complètement de péter un plomb, putain ! C'est la putain de bombe, apporte-moi ça, s'il te plaît ! Je t'en conjure, mets du son, mets du son ! Vas-y, mets juste un peu de son, je t'en conjure, mon gars ! Mets un putain de son, mon gars ! Mais plus fort, mon gars, j'entends que dalle, j'ai en plein de monter, tu m'as fini un max de mètres ! Les alphas sont 3 balles, mon gars! Je suis en train de me mettre au maximum, mon gars! T'as pas un peu d'eau? Ce masque confectionné par Kipton arbore les gros yeux globuleux typiques des alphas. Si vous le portez, ces derniers vous prendront très certainement pour un des leurs. T'as des cristaux, j'en veux encore! Monte le son, monte le son, bâtard! Zelda, Trip of the Kingdom. Exact. Vas-y, mon gars, je suis en train de prendre cette putain de paf! Putain! Il m'en faut un max, là, je suis en train de complètement péter un crâne, mon gars! Il est 8h du mat, jamais de la vie, je vais aller dormir! C'est de la grosse merde, ça, par contre. Je crois que j'ai plus assez. Oh, des choses, des esprits pour 4 cristaux, bien sûr. Je vais partir en couille, mon gars. Je vais partir en couille. Appelle de suite les flics. Appelle les flics. Encore de la bombe. De la putain de bombe, mon gars. Ça fait clac, clac, les dents. Clac, clac. Ça fait clac, clac, les dents et ça... Oh putain, j'ai envie de danser, j'ai envie de bouger mes pattes, mon gars. J'ai envie de taper des panards. Et aïe, messieurs, dames, si vous voulez la track, effectivement, quelqu'un l'a donné dans le chat. Mais du coup, c'est The White Room de Andy Moore, Adam White. Du coup, je vais me faire ban. Hein. Voilà. Et j'ai un problème de micro, attendez une seconde. One, two, one, two. Is it okay? Is it okay? One, two. Ah, ah, ah. C'est bon. Excusez-moi. Corne briseuse de linel blanc. Ouais, j'ai déjà testé ça, non ? Au revoir. Ouais, du coup, en fait, j'ai un problème de son hein, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, parce qu'en fait, ce petit matos que j'ai sur le côté ne marche plus. Mais normalement, demain, je reçois un remplacement et normalement, ça devrait être good. Voilà. Du coup, désolé, des fois, je dois un peu faire des trucs bizarres avec le son, c'est très chiant. Putain, mais c'est de la bombe, ça. C'est de la bombe, mon gars. Corne briseuse de linel blanc. Putain. C'est à ça que servent les cristaux. Alors, apparemment, après, moi, je me demande si... Alors, évidemment, ne dites rien dans le chat. Vraiment, ne dites rien du tout, je vous en conjure. Mais je me demande si, au bout d'un moment, il va pas se passer un truc. Parce que tu vois, il en veut toujours plus, c'est un peu... Voilà, bon, ça, c'est de la drogue, quoi, littéralement. Donc, est-ce qu'il va pas se passer un truc une fois que je... Voilà, on verra bien. Parce que l'avenir nous réserve, on verra bien. Vas-y, on n'y pense pas. Ah oui, mais du coup, c'est ça que je voulais tester. Moi, quand j'arrive en soirée...
Merci Wailin, merci pour le 37e mois, merci aussi à Fenwina pour le 22e mois de Prime, X-Diamond pour le 39e mois d'abonnement, yo les fleurs, yo pompon, n'oubliez pas de vous hydrater bien sûr, merci. Pompadour, merci pour le 9e mois de Prime, merci beaucoup. Tu as mis le kimono? Tu as mis le kimono ou quoi mon gars? Mais ça a aucun sens, le mec sort en pyjama pour aller se fight contre Ganon en fait. Ah, excuse, je viens à peine de me lever, on m'a dit qu'il y avait une galère. Ça me fume. J'ai hâte d'avoir la tête en vrai, j'ai quand même hâte d'avoir la tête. Eh, il faut qu'on passe voir la grande fée, mais la plus proche elle est là. Oh, viens donc me voir que j'améliore tes vêtements. On l'entend dès qu'on met le curseur dessus. C'est trop bien. C'est trop trop bien. Bon bah voilà, on a vu qu'il... Oh, attends. Ah putain. Bon. On va se le faire là le... L'hydre. On est parti. Oh, on est parti. Attends, je pense que je vais l'attaquer par derrière pour surprendre. Oh. Magnifique. T'as pas le niveau. On va voir si j'ai pas le niveau, mais je vois ce que tu veux dire là-dessus. Le griot, quoi, on va se taper le griot là. C'est parti. Merci au Ringalou pour le 33e mois dans l'ombre totale. Merci pour ce train de hype que vous êtes en train de démarrer. Et bisous à vous, très chère fleur de l'ombre. Qui êtes là peut-être en télétravail, en vacances, je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, je vous embrasse, bien sûr. Des grosses bises. En forme de fleurs. Pff, je suis un détecteur. Et les redifleurs. Oui, oui, mais attends, on peut pas embrasser tout le monde d'un coup. Vous savez que c'est devenu un vrai truc, les redifleurs. Hein. C'est vraiment un vrai truc. Nos flèches, le griox, c'est possible. Je vais pas le faire nos flèches, moi. Hein. Je pense pas. Non, c'est pas les renifleurs, c'est les redifleurs. Putain, j'arrive pas à les choper. C'est impossible, non? Sans les flèches, le griox? Si tout est possible dans le jeu, donc j'imagine que c'est possible, tu vois. Mais en vrai, venez pour le combat contre le griox, là, j'éteins mon écran, en vrai. Vas-y, j'éteins l'écran. Tu sais quoi? J'éteins l'écran, comme ça on est tranquille. On se tente un défi sans l'écran, ok? Vas-y. Go. Merci beaucoup, Anna. Merci pour le 13e mois de Prime. Faudra penser au panneau après le griot, ok? C'est parti, j'éteins mon écran à partir de maintenant. Let's go. Je pense que là, il y a le vide. Je pense qu'il y a le vide aussi. Ah merde! Putain, je m'y attendais pas du tout, ok. Je vais Hein? J'ai chopé une noix? Ok. Ok. Donc là, je suis en train de... Ok, je sens que je me rapproche de la bête. Je pense. Merci Scaponce pour l'abonnement. Bienvenue, merci beaucoup. Donc là en fait, là je suis en train de bander mon arc. Je vais viser de manière complètement aléatoire, mais je pense que là je suis pas très loin de la tête, d'une de ses têtes. Là je pense, hein, c'est complètement aléatoire. On arrête les conneries. Attends. On arrête les conneries, évidemment, évidemment, c'est... Évidemment, je vois tout, j'ai jamais de la vie, je n'éteins cet écran.
Ah putain, j'en ai pas beaucoup par contre des... Attends, mais c'est un peu la merde là. Parce qu'en fait... Ah, oh, quoique. Attends, mais il y a un dragon derrière. Non, mais la scène, elle est fabuleuse là. C'est magnifique ce qu'on est en train de vivre, non? Non, là, je vais prendre ça. Je vais faire ça. Là, j'arrive devant, je prends une arme surpuissante. Parce qu'en gros, moi, j'ai réussi à faire une arme de 57. Super forte. Non, je voulais pas faire ça, putain. Je cancel, je recule, je me... Chaleur insupportable, j'ai vu. Chaleur insupportable, pas de soucis. Pas de soucis, vu que je n'ai rien pour tenir la chaleur. Donc, il n'y a vraiment aucun souci vis-à-vis de la chaleur. Donc, c'est top. Ah si, j'ai ça. Anti-chaleur pendant une minute. Voilà, toi ta gueule. Là, je me protège. Vu qu'il me lance des flammes, je me dis je me protège derrière le bois. Parce que mon QI est vraiment très très faible, pour le coup. Hop, hop. Et hop, et enfin, un dernier œil. Boum. Ah. At this moment, Jackson News. Non, parfait. J'arrive quand même à gérer. Ah, ok. Super. Là, je vais complètement remettre ça directement. Boum. Là, je refais ça. Boum, ça le stop. Je m'approche, je vais essayer d'avoir des double hits. Ok, I will just try it, bro. So I go just on the middle, between two hits, you know, like that. Ok, it's maybe, ok, the double hits. Ok, it's not exactly double hits, but... Je cancel. Je reprends. Une. Ah. Aïe, 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 aïe. Une. Je viens complètement les stopper ici. Hop là, je me montre une seconde, boum. Hop là, je me montre une seconde, boum. Hop là, je me montre une seconde, boum. Hop, et là, hop là. Hop là, je me montre une seconde, boum. Hop, j'ai cassé mon arc, boum, j'en prends un autre. Je suis le pire commentateur. Hop. Tac. Bam, mort, je m'approche. Pareil, double hit. Parfait là. Ah non, j'arrive pas à voir les deux. Fait malin. Oh, ensuite là ce que je vais faire c'est juste changer d'arme. Prends l'épée de légende juste pour lui dire regarde qui je suis en fait, parce que je sais pas si t'as capté, c'est moi le héros qui va sauver le monde. Bon, je sais pas si t'avais capté, c'était moi que t'étais en train de fight. Ok, je me mets à reculer. Ok. Bon là, à mon avis, il va y avoir des flammes me permettant de remonter vers lui, non? Je sais pas. Je vais prendre ça, on va voir ce qui se passe. Je sais pas ce qui va se passer là. Il me tire un peu dessus. Oh putain. Bah je m'écarte. J'aurais peut-être dû allumer l'écran en vrai. Parce que pour le coup j'ai pas capté, il a fait quoi? J'ai pas vu du tout. Tu sais, j'avais l'écran éteint pendant tout le fight, j'ai pas capté. Il a fait quoi? J'ai pas vu. C'est quoi qui m'a tué? J'ai pas capté, j'ai pas vu du tout en vrai. Genki-Dama? Non, je pense pas, c'est pas le même jeu. Ta tenue d'escalade. Je viens de faire tout le fight avec la tenue d'escalade là? Nickel. Nickel. Ok, merci. Merci. Ouais, merci beaucoup. Bloodstein qui fête son 39e mois, je te remercie Bloodstein. Gros bisous. Merci beaucoup. T'as pas le bouclier de Sidon? Je vais peut-être sortir Sidon pour le fight, ouais, effectivement. Mais j'étais bien non quand même dans mon fight, à part la mort. Ah non, j'ai fait tout l'inverse de ce que je voulais faire. Franchement, j'étais bien, hein. L'œil de feu, ouais, je prends ça. En vrai, ça se battait. Mais je pense que j'y retourne, là. Ça se bat, hein. Trit et sac, STP. Mais moi, j'aime bien, hein. Enfin, en fait, chacun son orga. Moi, j'aime bien, là. Merci, Lily Lomgo, pour le 38e mois en T3. J'espère que tu vas bien. Oui, oui, oui. Merci, Lily. Prends l'arc de Linel. Ah, pour faire le x3, là? Ok.
Et non, je ne suis pas mort, je suis Kana. J'ai juste laissé ma dignité à Dour Festival. J'espère que ça va et j'espère que t'as kiffé, Kana. Ce festival de 240 000 personnes. Tu connais le glitch de duplication, Ponce? Ouais, non mais moi, je suis pas un glitcher, moi. Je joue vraiment de manière legit. Je suis vraiment très honnête, moi. De manière générale. Joueur Fortnite. Hello, bro. It's me, Mario. Je déconne, c'est un autre jeu. Ah, mais d'accord, c'est à ça que ça sert. Ah, mais d'accord, d'accord. Oh, mais c'est abusé. C'est abusé, j'ai même pas envie de faire ça. J'ai même pas envie de faire ça, c'est abusé. Ça rend tout beaucoup trop facile. Non, je rigole. Ok, c'est parti. Oh, le double hit, peut-être. Salut, tu fais quoi? Là, je fais un gâteau au chocolat. Là, je fais un gâteau au chocolat. Après, il va falloir juste laisser la cuisson. Pendant la cuisson, je pense que je vais juste faire la vaisselle. Et voilà, quoi, une classique. Mais bienvenue, installe-toi. Ok, je m'écarte. Je reprends sa attaque, boum. Vous surveillez le four, hein, vous me dites, hein. Oh non, la grosse merde. One hit. What the fuck. Ah, je suis désolé, hein, mais là... Ouais. Ok. Je pense qu'on va... Oh, regardez, c'est trop stylé avec les dragons partout. Mais elle est magnifique, cette scène, là. Je me permets de regarder un peu partout autour. Je suis pas full life à cause de la chaleur insoutenable. Je vais donc manger, en fait, une petite cuisse, une volaille congelée. Ah, ça me dégoûte. Ah, c'est un peu croustillant, c'est vraiment excellent. Aïe. Ah bon? Ok, c'est pas tout à fait bon. Oh mais attends, mais là je vais le... Non, c'est pas possible. Mais il va monter sur sa dernière phase là, avec très très peu de PV en fait. What the fuck. Ok, Sidon, Sidon, sert à quelque chose. Non, putain, Sidon. Ouais, bon, Sicon, pardon, excuse-moi. Ouais, Sicon, merci. Comme ça là je suis bien, regarde. Attends, je vais même farmer pendant... Oh, le disrespect est total. Ah bah non, ça part. Attends, Sicon. Ah non, c'est moi, Sicon. Ah, tu peux... Ah, Sicon. Viens, viens, viens. Oui. Un peu light, un peu light. Oui. Ça ne m'atteint pas. Je vais pouvoir sauter ici. Je suis complètement en train de m'envoler. Je m'envole... J'imagine ce que ça touche. Ouais. Ok, il tombe moi aussi. Je suis dans ma chute. Ah mais il est mort. Lourd. Lourd. Nice fight. Les cornes de Griok des flammes. Let's go. Merci pour les GG. Merci beaucoup. Trop bien ce fight, hein. Il est trop bien ce fight. Rappelez-vous, quand j'ai battu mon premier Griok, c'était un Griok des glaces, j'avais 4 cœurs. La dingue. La dingue. C'était fou. Vraiment, ces fights sont trop bien. Hein. Ils sont trop bien. Putain. Je suis trop content. Merci beaucoup pour les nombreux GG. Merci Yangui pour le 11e mois de Prime. Gloire au slow run. Merci Gwen aussi, 3 ans de sub, 3 ans de prime, utiliser chaque mois ici, 3 ans à être une fleur. De plus de 3 ans que je regarde cette chaîne, depuis plus de 3 ans j'ai rejoint cette commu qui m'a aussi bien accueilli, de 3 ans que je rencontre des personnes incroyables sur ce chat, 3 ans qui m'ont donné le sourire et m'ont fait sentir un peu moins seul, 3 ans de plaisir, merci pour ces 3 ans. C'est Gwen qui nous dit ça. Merci beaucoup Gwen, c'est adorable. Bisous. Je crois que ça fait 3 ans en vrai. Ouais, j'avais une photo du Griok des flammes, j'avais une photo, ouais. Dire que c'est un peu grâce à moi si on parle des rediffleurs. Oui, c'est grâce à toi. C'est exactement grâce à toi en plus, baby. Exact. Ça me fume. On leur parle à chaque live. Bah, c'est important. Le panneau, j'y vais. Non, mais c'est important, les rediffleurs sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un com et mettre un pouce en l'air. Les rediffleurs. Ok. J'aime bien avec le panneau ne pas réfléchir 15 ans, d'accord? Non, mais attends, mais celui-là, il tient de base, non?
Merde, j'ai réfléchi. Ok, vous êtes prêts? Regardez bien. Prédiction, messieurs dames. C'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer là-dessus. C'est plus à moi de. C'est plus à moi de gérer tout ça. C'est à vous de jouer. C'est est-ce que ça va tenir? On va faire le tour, hein, évidemment. Mais est-ce que cela va tenir? Vous avez 2 minutes, messieurs dames, d'accord? Vous avez 2 minutes pour la prédiction. Donc, j'ai aucune idée de ce que je viens de faire. Je peux pas vous donner plus d'informations là-dessus. Voilà. Jamais ça tient sans vouloir douter des capacités. Non mais y a pas de souci, tu peux douter de mes capacités, je doute moi-même de moi-même. Ça nous fait la map de béton brutal ou quoi? Merci Extase. Merci Karoko. Merci aussi pour le 8e mois de Prime dans l'ombre Karoko. Merci Skysight pour le 4e mois, bien la bonne journée. 3 ans de slow run, merci pour les 3 ans Sierra aussi. 3 ans 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 3 ans. Merci beaucoup. Attends, il y a 10 millions de points de chaîne pour le nom là? Normal. En vrai, normal de fou. Hop. Il y a 10 millions sur le nom. Le temps que je dise, il y a 11 millions 5 sur le nom. Il y a 4 millions 6 sur le oui. Ok. Si ça tient pas, tu refais une prédit pour la tentative d'après? Je pense, ouais. Je pense de fou, ouais. Trollé, le gars, il trique. Si ça tient, je porte plainte chez Nintendo. Tu sais que moi, Nintendo, il m'aime bien, attention, hein. Attention, tu vas porter plainte, ils vont dire va te faire foutre. Il y a moyen, vraiment il y a moyen, attention. Hein. Ou alors, ils vont te répondre. Nous prenons en considération évidemment votre avis, nous le notons et nous reviendrons vers vous selon. Aucune nouvelle. Ok, la prédiction est terminée. La prédiction est terminée, attention, est-ce que ça va tenir oui, non, la réponse? Maintenant. Putain, j'arrive même pas à bien régler la cam tellement en fait c'est illisible. Je suis désolé, je peux pas gérer la cam. Que faire? Lâche pour voir, s'il te plaît. Quoi? Tu vas le tenir pour moi? Ok, je lâche. Il a lâché. Il tient debout. Après, la construction que j'ai faite est magnifique, hein. Honnêtement... Mais non, mais il tombe pas, mais c'est incroyable. Ah, let's go, les gens qui ont joué. Oh là là, le oui. Il y avait une cote à 2,94 là-dessus. Avec Solun Prewet notamment qui avait... Oh là 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 là, GG à la team oui, ça tient, bien sûr que ça tient. Bravo. Fin de prédiction, ça tient, messieurs, dames. C'est magnifique. C'est magnifique ce qu'on est en train de vivre. J'adore. Merci beaucoup, Poppy Plouf, pour le 20e mois. Merci à Inaqua pour le 40e mois aussi. C'est la crise de la quarantaine ou quoi? De la quarantaine, pardon. Je crois. Il y a Nougatine, très honnête, qui avait effectivement écrit un message qui avait dit... Un sub, ça marche pas. Putain, t'es super honnête, Nougatine, what the fuck? Parce que j'ai même pas relevé ton message, je l'ai vu, mais je l'ai pas relevé, tu vois, j'étais en mode tranquille. Très honnête, Nougatine, là-dessus. 20 balles?
Ok. Des boulettes aux champions enduro. Ok. Ah, fleur bombe, ça c'est cool. Ça c'est cool. Oh. Et dire que j'utilise mon cerveau pour les bouliers et qu'une fois sur deux ça tient pas. Oh non, c'est vrai. C'est vrai. Moi j'avoue que, en gros, concernant les panneaux, moi je suis arrivé à un stade où je fais un truc absolument random à côté du panneau, je lâche, je fais une prédiction. Voilà. En vrai, je pars de ce principe-là. Et je trouve que c'est beaucoup plus marrant, par contre ce n'est jamais tombé quoi. Ça me fait un peu peur. Oh non, le scandale, j'annule mon sub, 14 ligands qui fête son 27e mois de prime en disant ça. C'est un scandale hein. Hop, on va foutre ça là pour pas poser souci. Ah, comme ça, on gênera personne. Ok. Donc du coup, on a fait un... Donc, on a fait le griok qui était là. Je vais enlever ça, d'ailleurs. On a fait le griok qui était là. On a fait quelques noix. On a fait Kilton qui était là. On a fait le panneau. Direction aux limites. Enfin, plutôt, la direction, c'est plutôt cette tour-là. Pour qu'on puisse avoir cette zone et ensuite monter à les limites, ok? Donc, on va dire direction le truc rouge, ok? Ah, mais oui, il y avait un géoglyphe, c'est vrai. Alors, c'est vrai. T'as noté un Korogu, Ponce. Ah ouais, mais attends, mais c'est complètement à l'opposé. Non, je peux pas me permettre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça quel sujet? T'as l'air d'être un collègue toi, non? Est-ce que tu voyages à la recherche de trésors? Moi je suis habillé comme un membre du groupe d'archéologie Sonao, mais en fait je suis un chasseur de trésors. Je pensais qu'en devenant archéologue, je pourrais obtenir des informations sur les trésors cachés dans les ruines. Du coup j'ai intégré le groupe, ou plutôt, devrais-je dire, je l'ai infiltré. On m'a pas donné une seule piste jusqu'à présent, et pire encore, on m'a donné des missions super dangereuses. C'est bien ma veine ça. Pourquoi il fait demi-tour? T'as oublié tes clés? Ça va, man? Le man? Ok. Ah, mais si, je pense que c'est parce que normalement, il est louche. Vas-y, je le suis, t'as raison. C'est parce qu'il y a le griok, normalement, ici dessus, non? C'est pas ça? Et après Sinois Korogu et un panneau immonde d'aider, on n'est toujours pas arrivé au village pour la peine, je vais... Ouais, désolé Zenithia, désolé, enfin désolé, on n'y arrivera pas. Le slow run, vous savez, c'est une pratique subtile. Attends, mais on va pas le suivre, si? On va vraiment le suivre, là? Bon slow. Mais oui, on n'utilise jamais cette émote, peut-être tout simplement parce qu'elle ne vous plaît pas, c'est possible, même si moi je la trouve magnifique. Elle est existante. Elle est là. Et c'est un peu notre marque, effectivement, de fabrique. Elle est réelle, elle est très réelle, cette émote. Comment ça, on l'utilise pas? Non mais toi, Mimo, peut-être, mais elle s'est peu utilisée, tout de même. Petite balade avec Mouchette. Oh, la Mouchette se repose un peu. Magnifique. J'ai tout perdu, deux ans de pétales sur un bête, je suis dévasté. C'est vrai, Nirlo? Bon, après, c'est pas très grave. Ça sert qu'à ça, au final. Tu vas te refaire sur un autre bête. T'es casse. Attends, je crois que j'avais pas pris de photo de... Merde, là. Aïe. Ah, mais... Ah non, je me casse. Je me fais agresser instant. Oui, je l'ai eu. Yes. Est-ce que ça existe un moyen de s'abonner gratuitement, Ponce? Alors non, il n'y a pas de moyen gratuit de s'abonner, vu que c'est le principe finalement de participer finalement à... Enfin, c'est le financement participatif de Twitch, quoi, l'abonnement, donc non. Après, tu peux avec Prime, mais c'est pas gratuit, tu as un... Si t'as un compte Amazon Prime, ça veut dire que tu le payes, quoi. Ou alors t'es étudiant et c'est... Je sais plus combien, je sais pas. Il revient là?
Et il retourne. Ah non, il repart. Chez la team des non-believers, comme on dit, et merci pour... Après, je comprends la team non-believers, là. Hein. Merci Esculap pour le Prime. Merci, bienvenue. Étudiant, il y a une promo gratuite actuellement avec Prime. Oui, je crois qu'il y a un truc comme ça. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Mais sinon, bon. Sinon, à part ça, Prime, ça reste payant, quoi. Qu'est-ce qu'il fout ? Attendons que ça passe. Il me fait trop de la peine, non ? Qu'est-ce qu'il fait ? Attends, mais là, je rentre dans la forêt de Firon. Non. On reprend ce qu'on avait fait. On ne peut pas faire ça. C'est un signe. Non. Il attend que la pluie passe. Merci pour les points, les non-believers. J'en profite pour dire que c'est confirmé, le airplay sur Reddit reprend demain. CF Reddit. Ah ouais ? Eh ben, je serai absolument pas de la partie, du coup. Probablement pas de la partie. Enfin, je m'attendais vraiment à une noix là-haut. Je suis abattu. Pourquoi ? Bah, en fait, la Airplace, c'est un bon moyen aussi pour certaines communautés de pouvoir facilement harceler si jamais il y a des choses qui leur plaisent pas et tout. C'est pas très drôle en vrai. Enfin, si, c'est drôle, je comprends. Si, en fait, c'est très marrant. Mais il y avait une ambiance. Ouais, mi-marrante, mi. Voilà quoi. J'ai pas non plus trouvé ça ouf non plus, tu vois. Et en plus, ça prend du temps et j'ai des trucs de prévu, quoi. Donc. Moi, vraiment, l'ambiance, je trouvais pas ça. C'est pas trop mondel non plus, quoi. C'est pas trop mondel. Même si j'avoue que ça a donné un truc fou, c'est vrai, mais j'ai pas trop kiffé non plus. Pourquoi relancer le Airplace, c'était bien une fois? Non, mais y a déjà eu Airplace. Quoique, en fait, ça commence à être vieux. Tu vois. Waouh, le Buzzyman. Non, mais si tu veux, par exemple, jeudi soir, j'ai un concert de prévu avec des potes. Jamais de la vie, je vais annuler ce concert que j'ai avec les potes pour le Airplace. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en gros. Le Airplace qui a sûrement lieu à cause d'une décision du site de faire payer les données pour les third party. Il y a une grosse grève par certains gros subreddits et modérateurs du site. Ah ouais? Ah ok, c'est une action quoi. Après ça dure pas une soirée. Non, c'est vrai que ça dure pas une soirée, mais typiquement l'an dernier, il y avait des gens qui étaient capables de te harceler si t'arrivais un peu tard parce que tu grattais quoi. Donc bon. Non, en vrai, ambiance chelou moi je trouve le Airplace. Ambiance chelou, j'avoue. Pas so chill, tu vois. Pas so chill. Tu vas voir qui en concert? En concert, je vais voir Bigaranx. Je vais voir Bigaranx en concert. Ça me fume. J'avais pas écouté Biga depuis genre peut-être 10 ans. Ouais. Ouais. Ouais, c'est un tour. Il vient de Tours, ouais, c'est un tour en jeu, ouais. Tout à fait. Le Bigaranx, quoi. C'est une pote à moi qui fait la light pour Bigaranx. Ah ouais, bah je te dirai ce que j'en pense. Après, c'est une espèce de festival et tout, donc je sais pas exactement s'il y aura ça, tu vois. Bigar. Mais non, Bigaranx. Le Bigar. Le petit Bigar, quoi. La musique du Bigar qu'on kiffe, quoi. Elle tourne avec lui. Ah, trop bien. Pas stylé. C'est la musique de ton fameux clip. Non, dans le clip, c'est Bangarang. C'est Bangarang et c'est Skrillex. Aucun rapport. Pas du tout le même genre de musique. Vraiment pas du tout. Bon, du coup, je vais vers le point rouge hein, qu'on avait mis, hein, bien sûr. Ok. C'est les festivals de Montpellier Métropole. Ouais, c'est ça, exactement. Bien vu. Bien vu. Toum, ting, ting, toum, toum. Tu vas te régaler, son énergie est malade sur scène. Et le rappel qu'il a fait, il était incroyable. Bah on verra. Mais oui, ça va être trop cool, je vais avec des potes et tout. Bien sûr.
Je suis obligé de traverser la forêt, hein. On va être obligé de traverser la forêt, hein. Korogu juste derrière. Celui que j'ai déjà. Bah je l'ai déjà du coup. Korogu, mais où ça, je comprends pas. Ça Korogu de quoi? Merci Clément, énorme. Merci pour le 15e mois Clément. Ok. J'y vais. Les souterrains nocturnes, ça va être banger la soirée, j'ai trop hâte. Vers 20h à peu près, on descend dans les souterrains. 20h, 21h peut-être. À voir. Et juste avant de descendre dans les souterrains, on va se faire une prépa. Genre, on va bouffer des... on va faire plutôt à manger, pardon, pour des trucs anti-miasmes, des trucs qui régénèrent la vie si jamais on l'a perdu à cause des miasmes, etc. On va se mettre bien. Tu fais non-stop jusqu'au souterrain. Ah oui. Ah oui, non, là, c'est une big sess Zelda, là. Big sess. Very big sess. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, j'ai envie d'aller là-bas, on est d'accord. Hein. Ah non. Non, mais... C'est pas du tout là, putain. Je confonds les tours, hein. Elle est où, du coup, celle que je veux choper? Elle est là-haut. Qu'est-ce que c'est, haut? Bon, écoutez, j'y vais, je comprends pas. Oh là. Wow, la forêt, ça a l'air d'être un traquenard. Il a l'air d'avoir des trucs de partout dans la forêt. T'es là, vous? What the fuck? Non mais attends, c'est un truc suprême, ça. Le golem major. Le golem sergent. On va les tuer, hein. Ils rigolent pas. Ouais, ils ont l'air. Mais on va les kill, je me fais aucun souci. Je suis mort dans 2 minutes 30. Ah, ils sont nombreux. Attends, j'ai plus de bouclier. Attends. Tu m'as l'air vénère. Quoi? Ah. Oh mais non mais... Putain, mon arme. Heureusement. Ok, ça c'est bon. Oh non. Non, il a pris le fouet. Il a pris le kimono. Ça c'est bon. Ok, ça c'est bon. Il est où l'autre qui a pris le kimono? Ah! Ah mais il saute comme ça! What the fuck? Attends mais c'est une dinguerie là, qu'est-ce que c'est que ça? Pardon. Ok, je sais ce que je vais faire. Idée de fou. Peut-être qu'avec de l'électricité... Non. Putain, c'est pas électrique. Le fight est abominable. Ah. Mais attends, mais c'est une fusée. J'ai plus rien. Boum. J'ai pas fait...
fait à manger avant de partir, je suis trop bête. J'aurais dû. Ah, merde, mon arme. oui. Voilà, moins un, moins un, moins un. L'autre là-bas, headshot. Une touche arrive dessus. Oh là là, en l'air. Complètement. Complètement réussi. Le fight est juste win. Est-ce finalement? Je peux pas me permettre de dire aise alors que j'ai littéralement tout bouffé quoi. Je sais pas trop. Je suis pas sûr, mais merci pour les GG. Mais je me permettrai pas de dire aise quand même. À partir du moment où tu bouffes 4, 5, 6, 7 fois dans le fight, c'était peut-être pas si facile quoi. Est-ce que je prends cette épée là? Ah mais oui j'ai ça, oh là là. Mais du coup s'ils étaient là c'était pas pour rien, il y a quelque chose. C'est un ancien. Ah non. Golem. Arc de golem surpuissant. M'en dis pour plus, je vais prendre ça je pense. Arc de golem surpuissant, c'est combien? 24, il résiste en plus, parfait. Non du coup il surveillait un truc, non? Il était pas là par hasard. Vous étiez là par hasard. Bien sûr, vous étiez là, vous vadrouillez. De manière complètement aléatoire, bien sûr. Oh mais excusez-moi là, vous êtes calé ici, qu'est-ce que vous faites? Vous fumez du shit? C'est ça? Vous êtes des fumeurs de shit? Écoutez, on va pas pouvoir vous maintenir ici les fumeurs de shit. Mais du coup c'est triste, j'ai tué des potentiels innocents là vraiment. Ok. Le point rouge. Focus point rouge, focus. Une bavure policière, oui, enfin bon, on va faire une petite cagnotte, hein. On va faire une petite cagnotte pour ça. Oh putain, c'est un temple. Avec cette bavure policière, j'ai gagné de l'argent. Vous comprenez? N'oublie pas la logique du jeu vidéo, s'ils ont du loot, ils sont pas innocents. Mais justement, c'est qu'il y a un truc, c'est qu'il y a un bail. Mais là, est-ce qu'on dirait pas un bail en fait, littéralement? Mais ça, c'est une source. C'est source de la force. Et juste devant, une noix. Vous avez une fleur? La source du courage. Excusez-moi, je ne les connais pas par cœur. Oh pieux chevalier qui m'honore de tes prières, entends ma supplique. La statue matriarche de la déesse, celle qui repose dans une profonde gorge, je ne sens plus sa présence. Je t'en prie, proche chevalier, rapporte-moi des nouvelles de la statue matriarche, s'il te plaît! Eh ben, ça, je l'avais déjà. J'ai déjà croisé quelqu'un qui m'a demandé ça. Et à mon avis, on va la croiser dans les souterrains tout à l'heure. Non, je sais pas. Je sais pas du tout, je dis peut-être de la merde. Je sais pas. Je sais pas.
Oh, l'ambiance. Non, mais en fait, avec mes armures, j'ai l'impression d'entendre une noix Kourougou tout le temps. C'est un peu... C'est déstabilisant de fou, oh. Tu as le masque Kourougou? Non, justement. Le point rouge. Le point rouge, la base. Point rouge. Point rouge. Ok. J'ai cru que j'avais découvert un passage secret, j'ai cru à une dingue là. Point rouge. Point rouge. Ah oui, mais je voulais passer par la grande fée aussi. Ah oui, elle est en face de moi, c'est parfait. Elle est juste en face de moi. Parce qu'il faut absolument que j'améliore mes trucs là. Je commence à avoir des armures vraiment pétées quoi. Bah c'est la grande fée quoi. La grande fée, le S. Elle sort le RS. Hein. Dédicace à toutes les familles qui regardent ensemble. Ah, je suis la fée. En vrai, je trouve que je la refais plutôt bien. Bon, honnêtement, je dis pas ça en troll ou quoi. Waouh. Lui, la première fois que je l'ai croisé dans Breath of the Wild, il m'a coursé. Il m'a sauté dessus. Et je ne pouvais rien faire si ce n'est encaisser de la douleur. Voilà. C'était abominable. C'était un moment très très dur. Je suis pas trop apprécié. Ouais, tout à fait honnête. Genre c'était lui, je pense que c'était lui en vrai parce que c'était dans la forêt de Firon de mémoire. C'est un fourbe lui. Ouais ouais, il fait le calme mais quand tu passes à côté il te pulvérise. Mais oui non mais grave. Ok Alex Signo, je la ref. Ah. Oh. Et le flop. Ah putain mais il y a un trou là-bas, j'avais même pas vu. D'ailleurs, tu dis ok Alexinho, parce qu'Alexinho, effectivement, c'est un des Français les plus titrés en beatbox. Effectivement, mais tu sais que Alexinho regarde mes lives, hein. Voilà. Je l'ai appris parce que je l'ai rencontré lors d'un popcorn où il était invité. Et genre, moi j'étais en mode, what the fuck, vous avez invité Alexinho? Moi, je suis fan d'Alexinho depuis, je sais pas, 2013, tu vois, genre, il était tout jeune. Et genre, il est toujours super jeune, hein, de toute façon. Et du coup, je l'avais vu. J'avais dit, oh mec, je suis trop content de te rencontrer et tout. À une époque, je faisais un peu plus de beatbox et je kiffais trop ce que tu faisais et tout. Il m'a dit, ah ouais, mais moi, c'est moi qui suis trop content de te rencontrer. Moi, j'aime trop, mec. J'étais en mode quoi? Ah bon? Mais non, c'est moi, mec. Non, c'est toi. Non, trop pas. Non, c'est moi, je te dis. Non, ta gueule, moi, je suis fan. Non, ta gueule. Ta gueule, hop. Non, c'est moi qui suis peu fan. Ta gueule. Du coup, on s'est fracassé le crâne en fait. On s'est bagarré. Il m'a mis au sol, j'ai réussi quand même à m'extraire de la situation tranquille et on s'est plus jamais reparlé quoi. Voilà. C'est un peu dommage que ça finisse comme ça vu la... Hop. Ça c'est pour le plaisir. Hop, c'est cadeau. Eh mais elle est... Qui aimait le plus qui? Bah je sais pas du coup. Mais elle est où la pierre là? Et j'avais pas envoyé la pierre là? Non. Peut-être foutu de ma gueule. On l'a vu des pop. Ah merde, j'ai pas capté. Oula. Tu peux Sidon le faire? Vas-y, Sidon. Vas-y. Maintenant. Sidon.
Ouais, bien wesh, bien wesh. Bien. Attention! Bien wesh. Bon, je vais remonter parce que là, on est à peu près sûr que ça, c'est une noix Korogu, non? Je suis à peu près sûr. Je crois. Hein. Un peu fébrile, Sicon. Oui, il est un petit peu fébrile, effectivement. Il est un petit peu fébrile, le Sicon. Ta carte pointe toujours au nord, au lieu de tourner avec toi, t'as changé un paramètre. Ouais, c'est tout à fait dans les paramètres. Regarde. Merde, là c'est la sauvegarde. Mais tu peux aller dans paramètres. Et là, tu vois. Mini-carte pointée vers le nord. Oui, non. Et ça. Et ça, ça met trop bien. Après, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent pointer vers là où ils vont, mais moi, je préfère vers le nord, ouais. Je savais pas que ça existait. Ouais. Bah après, chacun ses préfs, hein. Mais moi, j'avoue que... Je préfère comme ça quand je sais que je dois aller vers l'est. Bon, bah voilà, c'est très clair d'un point de vue de la map. Bon, allez, quand ça tourne aussi, c'est un peu clair, ça se fait, mais... Je sais pas, là, c'est très très clair, quoi. Noix. Ah non. Attends, non, non. Non, attends. Oh putain, il y a une grotte ici, je vais y mettre les pieds juste... Ah, mais j'y suis déjà allé. Attends, mais où était le big rocher, là? Big rocher, ouais. Big rocher, ouais. Il est là. Est-ce que vous pensez que j'aurais assez de vitesse? Non, je pense que c'est impossible. C'est impossible que ça remonte là-haut. Oh putain, il y a un sous... Attends, je l'ai pas fait. Ah si, je l'ai fait. En vrai, si. Ah ouais, c'est possible. Peut-être partir de plus haut, non? Ah. Genre, imagine, je lâche là. Attends, montre. Là, est-ce que vous pensez que ça peut rouler jusqu'au trou? C'est chaud quand même, non? Ah mais elle a... Elle vient de despawn? Comment ça elle... Pourquoi elle dépop? Mais quoi? Oh le jeu est naze, 4 sur 20. 4 sur 20. J'ai pas de fusée, en fait, il faut que j'aille à un gacha game qui me donne des fusées, j'en ai plus. Je n'ai plus de fusée. Quel est le gacha game pardon, qui donne des fusées? Non. Lui. Faut que j'aille là. Ok. Elle est où là? Ah ouais, mais la pierre va pas ripop si je pars pas, non? Attends, du coup... Attends, retenez bien. Là... Ouais, hauteur des peliers, j'ai un sanctuaire sur lequel je peux aller. Donc je vais là. Pour avoir mes propulseurs, c'est parti. Oh, d'ailleurs, je vais faire un truc. Je vais tenter un truc. Je vais tenter de bloquer comme on avait déjà fait de bloquer la porte du gacha game. Et une fois que c'est bloqué, essayer de débloquer pour que tout tombe d'un coup. Voilà. Parce que la dernière fois, on n'a pas essayé de débloquer une fois que c'était bloqué, tu vois. Non mais... Peut-être qu'il y a tout qui tombe d'un coup, hein. Ok, Roublard. Non mais... On sait pas. Franchement, on ne sait pas. Regarde, en gros, il me faut juste un item avant. Ah. Il me faut ou même un bout de bois, hein. Tu me diras, un bout de bois sera très bien. Si tu casses la grosse boule en haut, tu récupères tout. N'importe quoi. Tu peux pas casser ça. Attends. C'est Jack Sparrow qui m'a dit ça. Tu sais combien j'ai de... Tu sais à quel point j'ai du mal avec les fleurs bombes. J'en ai très très peu. Tu le sais très bien, Jack Sparrow. Non? Let's go lui faire perdre des trucs. Non, non, mais très bien. Et on peut bannir Jack Sparrow pour backseat, s'il vous plaît, merci. Ce serait top. Parce que là, c'est abusé, mec, ça va beaucoup trop loin.
Mimo vient de lui mettre un 10 minutes là. Au moment où je vous parle. Peut-être un petit peu sévère, non? T'as demandé... Non mais c'est vrai, non mais clairement, c'est... Non mais clairement... Mimo a levé le bannissement temporaire de Jack Sparrow. Merci Mimo. Rebienvenue parmi nous, Jack Sparrow, rebienvenue. La prochaine fois que tu ouvres ta gueule, c'est un perma. Le mec est horrible. Non, je rigole, Bon alors, regardez bien. Est-ce que tout le monde est bouillantissime là? Regardez bien. Je mets ça là. Déjà on se dit, mais si c'est bien. Bisous Jack Sparrow. I'm joking with you. Ok. Faites-moi confiance. Quoi? Je me suis fait arnaquer de fou. Pourquoi le truc il... What? Putain, j'ai pas eu... Non. Je me suis fait arnaquer. Attends. Comment ça j'ai pas eu le temps? Attends. Je mets ça de côté là. Si j'ai eu un missile. J'en mets deux pour voir si ça me laisse plus... Plus de temps. Attendez. J'ai même pas eu le temps. J'ai absolument pas eu le temps. What the fuck? Attends, montre si je fais ça. Si je fais ça, ça. Là, je peux pas bouger. Attends, je mets ça. Ah mais ça roule quoi, bah oui ça roule. Et si je sors genre... Tu l'avais déjà essayé l'autre fois? Oui j'avais essayé l'autre fois mais j'avais pas essayé de le débloquer une fois que c'était bloqué tu vois. Non mais t'inquiète. Tu vois. Regarde, boum. Un petit peu de BTP, ça fait de mal à personne là, ici, boum. Boum. Ok. Très bien. Non mais, très bien. Je comprends. Je comprends le jeu. Voilà. Là. Là, franchement, j'en mets genre. Je fais ça. Merci, Imlo. Merci beaucoup pour le 16e mois de Prime. Merci à toi. Merci, Chakou aussi. J'avais pas vu les 52 mois d'abonnement. Merci beaucoup, Chakou. Voilà. En fait, là, le truc, c'est que... Est-ce que je peux en faire tomber plus, tu vois ?
maintenant. Tu vois, est-ce que je peux trigger quelque chose? Genre... Bah là, pas... ouais, j'ai juste perdu des trucs, quoi. Et ça s'est fermé, bien sûr. Et j'ai créé du... Ouais, non, c'est de la grosse merde. C'est de la grosse merde, là, ce qui vient de se passer. Oui, non, mais c'est nul. C'est très nul, effectivement. Putain, mais j'ai l'impression... Attends, mais là, je vais l'empêcher de s'ouvrir, genre. Oh, attends. Ah non, ça les a enlevés! Quel jeu de merde, sérieux! Nintendo incapable de faire des bons jeux, quoi! Ça. J'ai combien de propulseurs là? 14. Ça commence à être mieux en vrai. 14 propulseurs, ça commence à être intéressant. Je vais quand même en gratter quelques-uns. Attends, si je fais 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Attends, mais il y en a encore dedans, je crois. Attends, si je ramasse eux. Il n'y en a pas d'autres? Oh non. Ah, mais ça lag et tout tellement il y a des... J'en ai combien là? Des propulseurs? 28. Bon bah voilà. C'est très bien. C'est rentable de fou, je pense. Ouais, effectivement, d'en mettre 5 comme ça. C'est parfait. Mais du coup, on avait fait ça pour, je le rappelle, revenir ici même pour que... Ici même pour qu'on puisse mettre un rocher dans le trou. Normal. Oui. C'est parti. Ok. C'est normal, j'ai jamais eu autant. J'ai mis 5 gros, hein. Je crois que c'est les 5 gros qui font ça. Hein. Merci Docteur Tom pour le 10e mois de Prime, j'avais pas vu. Merci beaucoup Tom pour ce 10e mois de Prime. Tout à fait, merci. Ah! Qu'est-ce que je fous là, moi? Voilà, la boule. La boule est là, non? Ouais, la boule est là. Attends. Oui. Ah, peut-être. C'était pas là, la boule? La boule est là. Je vois rien. Attends, mais c'était pas cette montagne? C'était en face. Ah non, c'était... Non, mais je suis perdu sur rien, là. Oh, j'ai pas mis de marqueur. J'ai pas mis de marqueur parce que j'étais en mode noob. C'est impossible de se tromper. Ah mais non, c'est là-bas. C'est impossible. C'est là-bas. C'est bon, GG. C'est en face. Sushi, ça fait pas mal de fois que tu mets des messages où clairement tu me backseat. Juste évite de me dire ce qu'il faut faire ou ce qui marche pas, etc. Laisse-moi découvrir le jeu. Tranquille. Je te remercie, c'est très gentil. De manière générale, n'hésitez pas surtout. Voilà, c'est ici. Parfait.
Alors, je mets ça là. Boum. Je vais y mettre des gros propulseurs là. Non. Merci. Voilà, parfait. Voilà. Sushi dehors. Non, mais par contre, soyez gentil avec Sushi, hein. C'est juste que il me backseatait et personne ne lui disait rien. Du coup, je me disais. Donc, j'ai fini juste par dire ça, mais laissez Sushi tranquille. C'est pas très grave. C'est rien de grave. T'en fais pas, Sushi. T'en fais pas. Voilà, juste. Voilà, juste. Parle pas trop pour me dire ce qu'il faut faire. Voilà, c'est tout ce qu'on va te demander là-dessus. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est super. Boum. Voilà. Merci Softy pour ton quatrième mois. Merci beaucoup Softy. Me dis pas qu'elle a des pop. Elle est là, elle est là. Bon. C'était de la grosse merde. C'était de la grosse merde. Mais on a un peu... Putain, tout ça pour ça. Non, enfin non, pas tout ça pour ça. Parce qu'en vrai, des propulseurs, il m'en fallait quoi qu'il arrive. Non, c'est pas tout ça pour ça. Ça va. Par contre, ce qui serait... ce qui me fumerait de rire, c'est que là... Oh non. Non, c'est pas possible. J'ai pas checké avant, il y avait déjà une boule. Non, c'est pas vrai. Ouais, mais c'est... Non, mais il faut mettre les deux, c'est sûr. C'est sûr, c'est quand même bien joué de ma part, je pense. J'ai pas checké avant. Ouais, jamais 203, c'est ce que je me dis. Il y en a forcément une troisième quelque part. Ah mais attends. Ah non, c'est exceptionnel. C'est incroyable, je viens de le voir là. Mais du coup ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport avec le fait de mettre une boule dans un trou, quoi. Merci pour les GG, mais... Aucun rapport avec tout ce qui vient de se passer. Mais en même temps, bah au moins, on est allé chercher les propulseurs dont j'avais besoin. Non? Je sais pas. Le bait, il est immense. Oui, le bait est monstrueux. Et j'ai mes propulseurs, tranquille. T'avais juste pas le niveau. Non mais... Tu penses que tu seras à limite avant 20h? Oui, large. Non mais déjà il faut que j'aille chercher ça. Déjà il faut que j'aille chercher le point rouge. Et que je passe voir la... La fée. Oui. Saisir. T'en es où sur les fées? Eh ben, il y en a une que j'ai réussi à faire ressortir, si je puis dire, et qui a effectivement modifié en bien mes vêtements, amélioré, mais sinon, je sais pas trop. Bah, en fait, je sais pas ce qu'il en est là-bas, tu vois. Je sais pas trop ce qu'il en est, je vais voir ce qui se passe. Revenons-en aux fées, je vous en conjure. Il y a une étoile filante? Ah, c'est fort probable. Si elle est derrière moi, c'est mort. Hein. Ah, elle est en face! Elle est exactement où je vais! Wouh! Let's go.
Les fragments, c'est pas backseat. Non, alors tu vois, typiquement, dire il y a un fragment d'étoile qui est tombé, dire t'es passé à côté d'une noix et tout, c'est pas du backseat. Non, avec tout ce qu'il y a à faire sur le jeu, c'est pas du backseat. Ce qui est du backseat, c'est de dire comment faire, tu vois. Ça, oui. Mais après, franchement, dire qu'il y a un fragment d'étoile, on s'en fout, ça. Enfin, perso, je m'en fous. Ça ne pulvérise pas mon expérience de jeu, tu vois. Clairement. C'est magnifique, il y a même un relais que j'avais pas vu, là. Ouais, ça se prend pas en photo, ok. Bah parfait, on a tout. Mais du coup, en plus, s'il y a ça ici, ça veut dire qu'il y a un sanctuaire dans le coin aussi. Que je vois pas pour le moment. Mais non! Est-ce que vous vous rappelez juste du chef d'orchestre ou pas, Maestro? Vous vous rappelez de lui ou pas? L'article le plus récent de la Gazette, le voilà. Je dois y aller. Maintenant que j'y pense, certains disent avoir aperçu des membres du gang Gigaz dans les parages. J'espère qu'il n'y a pas trop d'assassins lancés aux trousses de la princesse Zelda dans le coin, croisant les doigts. Ah! Oh! Ouh! Terry! Qu'est-ce qu'il a à me vendre? J'hésite à prendre des flèches parce que... Ouais, non, c'est bon. Attends, je nourris lui, ok? 1, 2, voilà, je fais... Hop. Je le nourris, je prends le coffre. Est-ce qu'en mettant tout, il va tout bouffer d'un coup? Non, il va bouffer petit à petit. Parfait. Ouais, il mange des pommes, ouais. Il adore ça, hein. Vraiment, il adore ça. C'est un classique. Mmh. Oh, c'est un chien végé. 100% végé depuis sa naissance. Mmh. Je pense que t'as été impérial niveau réactivité hier soir. Hein. Tu régales. Bah, j'ai badé, j'avoue. Quand tu m'as dit que c'était réservé aux abonnés... Les rediffs, j'avoue, j'ai un peu badé, je me dis bah qu'est-ce qui se passe. Et en plus, vu que Xari dans la même journée s'est fait hack ses comptes, je me suis dit, imagine, c'est quelqu'un qui a hack mon compte Twitch et genre notamment fait ça. J'ai eu peur. Merci beaucoup, petit toutou. En vrai, peut-être changer ça, hein. Xari s'est fait hack, ouais, il s'est fait hack ses comptes. Alors, je sais pas exactement où est-ce que ça en est, mais ouais, exact. Ah, c'est une arme de main. Qui lance de l'air. Ah. Et attends, et si j'amalgame une dingue? Genre ça. Ouais, c'est pas mal, mais c'est une arme de main, hein. C'est pas non plus... Oh, il y a un puits. Attendez, je vais au puits. Je vais au puits avant. Ouais, en gros, Xari, hier, il s'est fait hack un peu tous ses comptes, donc Discord, machin, bidule et tout et tout et tout. Et du coup, moi, hier, je reçois un message d'une fleur sur Insta qui me dit « Ponce, il y a les rediffs en abonné sur ta chaîne, comment ça se fait ?» Je fais quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je rallume mon PC, je check. Effectivement, il y avait les rediffs pour les abonnés qui avaient été cochés. Alors, je sais pas, du coup, ça doit être Twitch, hein, j'imagine. Mais du coup, j'ai un peu peur. Je me suis dit, oula, avec l'histoire de Xari aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, mais c'est un puits dans un puits?
Waouh. C'est du puiception pur là. Waouh. Le hacker méchant qui met les redifs pour abonner afin que les gens s'abonnent. Bah non, mais tu sais, quand t'as une option qui est changée alors que t'as touché à rien, forcément tu dis qu'est-ce qui se passe quoi. Parce que oui, ça peut faire chier justement, de fou. Encore un puits dans le puits, dans le puits, dans le puits, du puits, du puits, du puits. Non, c'est ouf. Another puits. Comment on dit puits en anglais? Francis. Well. Ah ouais? Genre limite si tu dis well done à quelqu'un, il peut te dire mais non, t'as fabriqué un puits genre? Jure. Vraiment. Je savais pas. Well done. Mais non. Sérieux? Il y a plusieurs façons de le dire. Well done égale le plus effet. Bah ouais, c'est ça. Bon bah, je rentre dans le puits du puits du puits du puits du puits du puits. Ok, il y a de la fée. Donc ce que je vais faire, c'est me mettre en total discret. Oh là, je suis d'une discrétion, là. Chut. 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 Aïe. Je mets ta gueule. Peu de vigueur. Noya. Merci Solon. Par contre, apparemment, personne pas bouillantissime pour Noya, quoi, tu vois. Très factuel, quoi. Noya. Noya. Ok. Allez, le jump pour la fée. Noya. Noya joue des maracas. Et on s'amuse. Bon ben voilà, hein, j'ai tout récup. Sympa ce puits. Le puits dans le puits dans le puits du puits dans le puits du puits. Après le gros PB, c'est que... Je pensais, j'avoue, qu'on allait trouver un peu plus de trucs. Non, en fait, je sais pas pourquoi je râle, j'ai farmé full truc, c'est très très bien. J'ai farmé full fée, full minerai, non c'est très très bien. C'est très très bien, c'est très très bien. Je remonte. C'était hier le gros PB. C'est vrai, c'était hier le gros PB, bien vu. Attends, j'ai pas ces chèvres blanches, moi. Oh, elles sont trop belles. Oh, pépou de fou. Non, arrête, putain, l'ego de ce type. Quoi? C'est trop belle.
vais leur donner. Je vais leur donner des pommes. J'entends des pommes. Oh, regarde! ASMR. ASMR chèvre. Oh, elles sont contentes. Vous tournez un peu en rond les filles là, qu'est-ce que vous faites? Ouais, non mais c'est sûr que l'herbe elle bouffe aussi hein. Là je leur mets de l'herbe, elles sont trop bien hein. Oh non. Arrête ou je récupère un œuf? Ok, ok, ok. Aïe. Ok, ok, ok. Oh, wow, wow, on déconne, ouais, on déconne. Je voulais juste des œufs. Putain. Ah, la nature se rebelle. Oh, c'est quoi ça? Oh. Putain, j'ai chopé une arme vraiment sur... sur 6 cons, ça me fume. Pourquoi tu l'as frappée? Parce qu'elle donne des œufs, mais je l'ai pas touchée, elle m'évite. Elle est beaucoup trop vive pour moi. Pauvre poule. Oui, mais regarde. Bon, pas là, mais... Bon, allez. Mais... Elles ont plus d'œufs? Les poules ont trigger mon chaton. Bon, ah oui, voilà ça. Alors, attention, hein, le maestro. Tiens, mais voilà un village familier, je me souviens bien de toi, voyageur. Se pourrait-il que tu sois venu voir la grande fée? La grande fée? Oh, mais ce n'est pas pour ça que tu es venu au relais de Gemina? Pour voir la grande fée Kotora? Malheureusement, la grande fée de la région n'est pas sortie de son bourgeon depuis trop longtemps. Mais que tout comme la grande fée de Réré de la forêt, elle doit être terrifiée. Je sais qu'elle aime écouter Nambour jouer du tambour. Je me disais donc que si elle entendait jouer à nouveau ses rythmes endiablés, ça lui remonterait le moral. Mais Nambour n'est pas là en ce moment. Oh. Ah, Nambour est le joueur du tambour des brides abattus. Un jour, il est parti de la troupe et n'est jamais revenu. Une voyageuse en provenant du village de Kokoriko au nord d'ici a dit qu'elle avait entendu le son d'un tambour. Elle était près du village, après la chaîne des Bonoru, mais... Attends, pourquoi il termine pas Il termine pas ses phrases, lui, non plus? Maestro, si tout me parle sans arrêt, il ne peut pas diriger la troupe. Sans mes instructions, la musique va s'arrêter. Enfin... Ah, la musique continue. Enfin bref, tu veux en savoir plus sur la grande fée Kotora? Non, au revoir. Ah, si tu te rends du côté du village Kokoreko, tu voudrais bien jeter un œil à l'endroit où la voyageuse dit avoir entendu un tambour. Non, oublie ce que j'ai dit. Putain, je dois aller au village Coco. Let's go. C'est une mission pour moi. C'est parti. Putain, le message en avant pas terminé, je te jure. Merci à Kikaïs, coucou. Merci pour ton 33e mois en T2. Merci Homoton aussi pour le 32e mois en T1. Merci à vous. Rip et limites. Non, pas du tout, parce que... Non, vous savez très bien, chaque chose en son temps. Vous en faites pas. Non. Tranquille. Chaque chose en son temps. Avouez qu'on peut pas passer à côté. On peut sauver une fée. On peut faire une quête qui est quand même plutôt cool. Oh, c'est pas anodin, ça. Ok, je n'y vais pas. Mais je mets un marqueur tête de mort. Sous-entend... Non, un marqueur tête de mort et juste à côté un marqueur coffre. Ah maintenant j'ai pas de TP pour revenir là-bas. Ah si, là-haut. Oh non, il y a un panneau. Ok.
Tranquille, on a le time. On va pas se mettre la presse. Merci Simon Ticole pour le 39e mois. Trop bien la nocturne. C'est vrai que c'est rare quand même que je lance la vie. Oh non, il y a un Kuroko. Putain, c'est un enfer. Mais toi, tu vas m'aider là, tous les gens que je croise, ils m'aident pas. Non, mais je vais t'aider, mais juste, est-ce que c'est possible que je t'aide un petit peu plus tard? Genre, je repasserai. Non, tu vas pas repasser, de toute façon, je suis sûr que tu repasseras jamais. Bah, bien sûr que si, il y a un relais, j'ai une quête ici, il y a tout ça. Ouais, mais moi, mon ami, il est super loin. Oui, mais ton ami, tu vas le rejoindre au moment où justement je repasserai par là pour t'aider. Ouais, mais ça, c'est ce que tu dis, moi, pour l'instant, mon copain, il est pas là. Oui, mais ton copain, tu le rejoindras. Est-ce que je peux juste faire un sanctuaire avant? Bah, de toute façon, on se connaît pas, donc. Ok. J'aurais bien aimé être sauvé quand même. Oui, bah, on verra. Oh non, il pleut. Non, c'est foutu de ma gueule là. Attends, parce que là, il faut que je... Parce que la dernière fois, j'ai réussi à débloquer ça en tirant parce qu'il y avait un rebord. Ah, mais là, c'est bon, l'eau. Ah, mais c'est bon. Juste à mettre un truc lourd. Ah, dommage, je peux pas m'y accrocher moi-même. Ça aurait été parfait. Ok. Faut que j'y mette un truc lourd. Bah, le Kuroko, hein, ça va partir sur un Kuroko. N'en dites pas plus. Je fais ça, je mets ça en face, ou du coup ça va couler et ouvrir. Boum. Pourquoi ça flotte? En fait. Comment ça, ça flotte? La poussée d'Archimède. Oh putain, on va être obligé d'employer des grands moyens, j'en ai plus rien à foutre. Allô? Ah, je peux pas le tourner dans... Quoi? Oh, c'est une galère, là. Attends, je suis oublié... Attends, qu'est-ce qu'il me fait? Mais c'est un bouchon de liège! Genre, il flotte perma, le man. Tiens, et si je te mets comme ça? Voilà, là, tu vois, ça va bien se dé... Là, si ça te débouche pas, il y a un problème. Ah, t'inquiète là. À la une. À la deux. C'est pas possible. Maintenant. Hop là. Où est-ce que... C'est parti très très loin. Bon, nice, parfait. J'ai peut-être un peu overkill, c'est vrai. La prochaine fois, j'en mettrai un peu plus. Cette strat de fou là, bam. Non, mais je pense que un suffisait, honnêtement. Je pense. Merci beaucoup à Dinitial. Merci pour le 23e mois d'abonnement. Adinitia, Merci de légumes tige pour le 23e mois et merci beaucoup pour ce train de la hype. Exceptionnel. J'ai la full tenue Zora. Ouais, j'ai la full tenue Zora. Ouais.
Qu'est-ce que tu vas me dire, ouais. On va retrouver le bouchon sur une île, sur une île volante, c'est possible. Et ben voilà.